Aux plusieurs manières parler à nos pères par les prophètes. Dieu dans les derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi de toutes choses par lesquelles il a aussi créé le monde. C'est donc un extrait de l'épître aux Hébreux au chapitre 1er, les deux premiers versets bien entendu, avec côté ainsi parle l'Éternel, d'un autre où il parle s'accomplit ce jour, en vérité je vous le dis, et de l'autre côté, on voit l'antique ou l'opposé de toutes ces choses, des choses qu'on voit. Je vois quelque chose dans la salle, je vois de l'argent, je vois un visage. Des choses aussi rocamboleques et dithyrambiques qui sont donc rendues par plusieurs prédicateurs aujourd'hui, embarrassantes du moins. C'est encore le prétexte de Blessed Afternoon ce jour, la suite ou soit la troisième partie de votre thématique sur le chrétien face à la prophétie. Ici aux pratiques divinatoires, quelle attitude adopter, l'acte 3 donc de ce thème. Nous sommes en compagnie de l'évangéliste Élie Bertrand Tiabda dans ce studio. Merci à ceux qui viennent de prendre le train en cours. Blessed Afternoon encore ce jour, le chrétien face à la prophétie et aux pratiques divinatoires, quelle attitude adopter? Une thématique que certains ont trouvée délicate, embarrassante, mais aussi pertinente au regard du contexte actuel. Une thématique bien entendu affectionnée par Kaka Ernestine de Lokpom, bien entendu, qui a Lokbesso autant pour moi, le colonel Émile Nguédiop et son épouse Déline Ndogbon également ne sont pas en reste, tout comme Michel Zwango, Madame Nia Ne et Tondé Nicole qui est du côté de Lokbom, Aline Assomo aussi qui a estime et qui pense aussi que ce thème est intéressant, tout comme notre chère maman Véronique qui est à Makepe, tous ceux qui nous écoutent en ce moment du côté de Boya, de Limbé, nous pensons à la sœur Torrent, Moutingene Manjo, Lum Konsamba et également ceux qui sont à Tombelle du côté également de Banenkop, voilà, c'est dans le Honkam. Merci également à Joseph Dikoubambession qui nous écoute et tout comme Adèle et à la princesse Alice du côté donc de Boya de Bonabéry. Merci d'être des nôtres encore ce jour, le chrétien face à la prophétie aux pratiques divinatoires, pour assurer votre demande également, chers auditeurs, puisque vous l'avez réclamé ce thème. Nous ouvrirons l'antenne pendant ces deux derniers jours, très tôt, 17h20, n'hésitez pas à nous interrompre, retenez ces numéros, 33 07 56 32 33 07 56 32, également par SMS 94 11 94 27, 94 11 94 27, si vous nous appelez de l'Est derrière 00 237 94 11 94 27, donc vous mettez 00 237 94 11 94 27, voilà, donc retenez ce numéro et n'hésitez pas à nous interrompre. Nous voulons également saluer le concours et les encouragements d'une grande dame, Madame Grace Tiabda qui nous écoute du côté de Lokpom, très important. Également nous saluons toute l'équipe qui l'entoure cet après-midi. L'homme dont Jésus a touché les doigts, l'homme où d'adore, Tonton Théo, assure le côté technique. Je suis ce que je suis, Patrick Albifer, et maintenant, que la partie commence. Était la parole était...
Au commencement a été la parole, un chant qu'affectionne Joseph Dikou Bambessione, l'évangéliste Bertrand Thiabda, qui acquiesce également. Évangile, merci d'être encore là et bon après-midi à vous. Bon après-midi, Raoul, bon après-midi à tous les auditeurs des Radio Bonne Nouvelle, encore à quelques lieux que ce soit qui nous écoutent aujourd'hui. Voilà, quelques lieux que ce soit qui nous écoutent, et il faut dire que vous avez honoré à votre rendez-vous, vous n'avez pas simplement fait une promesse. La nécessité m'a poussé également à être là aujourd'hui parce que j'ai vu que le thème que nous avons abordé par l'Esprit de Dieu est vraiment nécessaire pour le corps de Christ aujourd'hui, en cette fin des temps également où le corps de Christ est entré dans un système que la Bible avait appelé apostasie. Donc il est clair que nous devions, si nous aimons la parole, passer du temps à la parole et enseigner les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, face à cette panoplie d'apostasie qui est montée au créneau depuis le 1er siècle. Donc nous devons faire notre devoir pour, à la fin, jeter nos âmes au pied du roi des rois. Voilà, là vous êtes en train de faire une mise au point. Vous nous apportiez donc des précisions sur la nécessité qui a parlé de ce sujet, évangéliste. Les auditeurs ont réclamé la suite de cette émission et nous allons ouvrir l'antenne très tôt pour eux. Mais tout d'abord, nous aimerions revenir sur certains faits que vous avez expliqués. On parle de prophétie, on parle de pratique divinatoire. Ce conflit entre les divins et les prophètes, c'est un conflit qui dure depuis des décennies aujourd'hui, un conflit qui est tranché bien entendu par les Écritures, et vous allez vous servir des Écritures aujourd'hui. Mais d'entre les jeux, évangéliste Elibert Rontiabda, nous aimerions un peu savoir, permettez-nous de le comprendre, comment reconnaître un vrai et d'un faux prophète, puisque vous avez fait état donc de leur nature ici, vous avez décrypté leur nature. Quelles sont les caractéristiques de l'un et de l'autre, du vrai et du faux prophète? Comment reconnaître le vrai prophète et le faux prophète ou le divin? En fait, la dernière fois, parce qu'il y a des auditeurs qui nous ont pris de coup, et dans la première partie de cette émission, la semaine dernière, j'en avais parlé. Oui. Je vais encore réitérer parce que je vais préciser ces caractéristiques. À la fin, je pourrais donner comme ça les critères directs, trois critères pour décrypter si quelqu'un est un faux prophète en face de nous. Donc, je vais rappeler ce que nous avions dit déjà la dernière fois. J'avais dit que Dieu a répondu à cette question plusieurs fois dans la Bible. Et Dieu nous a révélé dans la parole, dans le livre de 1 Samuel chapitre 15, verset 23, que la désobéissance à sa parole est aussi coupable que la divination. Donc, si nous ne prenons pas la parole de Dieu telle qu'il l'a donnée, alors nous sommes en proie à tomber dans les mains de chaque loup aujourd'hui. Ça veut dire qu'il faut que chaque auditeur qui m'écoute maintenant sache que la parole de Dieu, c'est la dernière autorité en matière de toutes choses spirituelles. Ça veut dire que Dieu a réglé toutes choses. Donc, nous allons aller dans la parole de Dieu et j'ai décrypté comme ça plusieurs caractéristiques pour discerner le faux prophète des vrais. J'ai remarqué, et c'est ce que je disais à plusieurs pasteurs, que le ministère prophétique, c'est un ministère délicat. Donc il faut l'esprit du prophète véritablement pour sonder les écritures et établir ses caractéristiques. Donc pour ce qui est du vrai prophète, par exemple, un vrai prophète de Dieu conduit toujours, je l'ai dit la dernière fois, les gens dans la parole. Il ne va jamais au-delà de la parole écrite. Il ne contredira jamais la parole du Seigneur. Par exemple, le cas de Balaam et le cas de Samuel. Nous voyons que quand un prophète de Dieu veut dire quelque chose selon la parole de Dieu, même si tu le compromets à dire n'importe quoi, il dira seulement la chose de la part du Seigneur. Il parle quand Dieu lui commande de parler. Par exemple, dans le livre de Amos chapitre 3, le verset 8, la Bible déclare, si le Seigneur parle, qui ne prophétiserait? Donc, il n'est pas orgueilleux ni extravagant. Il n'est pas dirigé par un conseil d'hommes ou des présidents de conseil par un seul qui nomme et dénomme à sa guise. Comme nous avons vu dans le livre de Marc, chapitre 11, verset 7 à 9, où le Seigneur Jésus, parlant de Jean-Baptiste, dit de lui, qui est-ce que vous êtes allé voir dans le désert? Vous voulez voir les prophètes? C'est un vrai prophète. Ce n'est pas le genre qui se trouve dans le palais du roi. Donc, ce prophète-là, il reconnaît que la prophétie n'émane pas de lui, alors il est humble. Voilà pourquoi dans le livre de Daniel au chapitre 2, verset 30, Daniel, nous avons lu ça ici. Daniel a dit au roi que si cette parole-là, si ce songe lui a été révélé, ce n'est pas parce qu'il y a en lui quoi que ce soit de grand, mais c'est parce qu'il y a un Dieu dans les cieux qui sait tout et qui amène toute chose à l'existence. Alors voilà, voici encore une autre caractéristique vraie pour chaque prophète. Le prophète a entendu de ses propres oreilles un appel direct de Dieu. Tous les prophètes de la Bible sont ainsi. Tous les prophètes de la Bible. Donc, un prophète de Dieu, un véritable prophète au sens
biblique du thème, n'est pas allé dans une école de formation. Donc si vous entendez un prophète dire de sa bouche, quelqu'un s'appelle un prophète, dit qu'il est allé dans une école de formation, il est devenu prophète, fuyez-le de tout genre, prenez des taxis à course pour fuir ce genre de personnes. Donc la Bible déclare clairement que les prophètes de Dieu, véritablement, ils ont entendu de leur propre oreille l'appel direct du Seigneur. Donc, et j'aimerais bien, Raoul, si je le permets, j'aimerais bien parler ici. Puisque vous êtes là. Le ministère prophétique et le ministère des apôtres dans le Nouveau Testament sont intimement liés. L'un ne va pas sans l'autre. Voilà pourquoi je profite de cette occasion, puisque nous parlons des caractéristiques des vrais prophètes, pour parler des vrais apôtres. Oui. Les vrais apôtres, au sens du Nouveau Testament du thème, reçoivent leur appel directement du Seigneur. Donc, ils ne sont pas imposés par un conseil d'administration. Ils ne sont pas, c'est pas par suite d'une consécration quelconque au sorti d'un séminaire. Donc, les apôtres que nous avons aujourd'hui qui sortent des formations théologiques sont des apôtres humains. Donc, les apôtres et les prophètes sont directement appelés au Dieu. Je parle des apôtres au sens du Nouveau Testament du thème. Donc, je ne suis pas contre le titre de quelqu'un. Si quelqu'un veut se faire appeler apôtre, c'est son problème. Je parle des apôtres de la Bible et des prophètes de la Bible. Donc, si quelqu'un n'est pas de façon biblique, on doit l'appeler ainsi un usurpateur. Donc, tous les prophètes de la Bible ont directement reçu leur appel de Dieu. Ces prophètes-là, ils ne prophétisent pas pour des motifs impurs, ni par acception de personne, ou pour un gain sordide. Ils ne prophétisent pas pour de l'argent, comme aujourd'hui on voit, des gens parlent qu'on donne l'offrande des mumus, l'offrande des prédications, l'offrande des mauvaises pensées, des culpabilités, de la parole que tu viens d'écouter. Par exemple, les gens prêchent, ils disent, donne les offrandes de la parole que tu viens d'écouter afin d'avoir part à la bénédiction, sinon Satan pourrait voler ta bénédiction, comme si Dieu n'était pas assez puissant pour garder notre bénédiction. Il parle également de l'offrande du prophète. Et je vais surprendre les auditeurs, bien-aimés, Raoul, si tu me permets également. Allez-y. Dans la Bible, je ne sais pas si les frères bien-aimés qui m'écoutent maintenant lisent vraiment la Bible. Je ne sais pas savoir comment les gens peuvent être dans l'exaltation spirituelle au point de négliger la parole de Dieu. Avez-vous déjà vu dans votre Bible les offrandes du prophète? Pourquoi est-ce que les gens ne s'arrêtent pas pour lire la Bible? Et si tu permets pour cela, je verrai qu'on aille dans la Bible, on lit un peu. Allez-y, vous êtes là pour ça. Que ce soit dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, les vrais prophètes de Dieu nourrissaient plutôt les gens. Alors, je vais directement dans le livre de Corinthiens. Allons-y dans le livre de 2 Corinthiens. Commençons dans le Nouveau Testament pour voir ce que l'apôtre Paul dit, le grand apôtre. Donc, si quelqu'un croit être apôtre ou prophète de Dieu, qu'il reconnaisse que ce qui est écrit ici, c'est un commandement du Seigneur. Donc, dans 2 Corinthiens, chapitre 12, je vais lire à partir du verset 12. L'apôtre Paul dit, les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous. Si aujourd'hui les vrais apôtres sont là, ils sauront de quoi il est question. Pas les apôtres aujourd'hui qui viennent seulement dépouiller les familles. Tout ce qu'ils peuvent dire, c'est les voitures qu'ils ont et les maisons. Il dit, les preuves de mon apostolat ont déclaré au milieu de vous par une patience à toute épreuve. Par des signes, des prodiges et des miracles. En quoi avez-vous été traités moins favorablement que les autres églises, sinon en ce que je ne vous ai point été à charge. Regardez ce qu'il dit. Il dit, pardonnez-moi de ce tort. Verset 14, il dit quoi? Voici pour la troisième fois que je suis prêt à aller chez vous, et je ne vous serai point à charge, car ce ne sont pas vos biens que je recherche. Je prie que les apôtres qui m'écoutent maintenant puissent déclarer ainsi dans leur ministère. Il dit, c'est vous-même. Ce n'est pas en effet aux enfants à amasser pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. Je recommence encore. Ce n'est pas en effet aux enfants à amasser pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. Il dit verset 15, pour moi, je dépenserai très volontiers et je me dépenserai moi-même pour vos âmes, dis-je, en vous aimant davantage, être moins aimé de vous. Alors, c'est totalement le contrôle aujourd'hui avec nos apôtres. On les appelle daddy, mais plutôt c'est les enfants qu'ils appellent daddy qui donnent. Et ils demandent les offrandes apostoliques, les offrandes ministérielles, les offrandes apostoliques et prophétiques. Ici, l'apôtre Paul dit qu'il lui-même dépenserait volontiers pour eux, même s'il doit être mal aimé. Aujourd'hui, les gens reçoivent les offrandes par amour, parce que par considération des personnes. Lorsqu'on a les gens bien placés dans les ministères, alors on commence à chercher les gens pour motif de conscience. C'est pas comme ça que l'apôtre Paul nous a dit. Il a dit, si quelqu'un se croit être père, c'est à lui d'amasser pour la famille. C'est pas comme ça qu'on doit faire, bien-aimés, tous les pasteurs qui m'écoutent maintenant, tous les prophètes qui m'écoutent maintenant. C'est à vous de donner. Prenons encore un autre exemple dans le livre de 1 Samuel au chapitre 12, lors des discours d'adieu du prophète Samuel. J'aimerais que chaque prophète, et si on veut comprendre, s'il y a un prophète type même, au sens biblique du terme, c'est le prophète Samuel. La vie du prophète Samuel m'a beaucoup intéressé. Au chapitre 12, souvenez-vous, au chapitre 7, Israël réclame la royauté d'un roi comme ceux des nations, comme nous venons aujourd'hui, nous voulons avoir des défilés de mode, les chrétiens, les femmes qui défilent avec les fesses dehors pour séduire comme les mondains. Alors, à un moment donné, Israël a réclamé le roi et le prophète Samuel a prié en sachant qu'ils étaient hors de la volonté de Dieu, pour encore dire que le prophète est là pour ramener les gens vers la volonté de Dieu et en plus pour intercéder pour le peuple, même si le peuple est tombé. Donc Samuel, sachant que le peuple est tombé, Dieu dit, c'est pas eux qui
qui t'ont rejeté. C'est pas eux qui les ont rejetés, c'est à moi. Maintenant, Samuel va convoquer le peuple au chapitre 12 de Samuel, de 1 Samuel. Il est écrit au verset 1. Samuel dit à tout Israël, voici, j'ai écouté votre voix dans tout ce que vous m'avez dit. Et j'ai établi un roi sur vous. Et maintenant, voici le roi qui marchera devant vous. Pour moi, je suis vieux, j'ai blanchi et mes fils sont avec vous. J'ai marché à votre tête depuis ma jeunesse jusqu'à ces jours. Maintenant, verset 3. Mais voici, regardez bien, mes chers amis, verset 3. Il dit, mais voici, rendez témoignage contre moi en présence de l'Éternel et en présence de son oint. De qui ai-je pris le bœuf et de qui ai-je pris l'âne? Qui ai-je opprimé et qui ai-je traité durement? De qui ai-je, écoutez bien, reçu un présent pour fermer les yeux sur lui et je le rendrai. Le prophète Samuel. Et là, qui pose les questions? Ça, c'est le prophète Samuel. À qui pose-t-il? Il pose à tout le peuple. Ça veut dire que Samuel qui était établi et le peuple reconnaissait comme étant prophète. Oui. Et pour demander au peuple, que si quelqu'un vient me témoigner ici devant le peuple et devant Dieu, si j'ai déjà reçu un présent. Et si vous regardez, lorsque Saul avait été choisi, puisque les gens parlent trop de l'offrande des prophètes, non seulement c'est Saul qui a décidé avec son serviteur à donner quelque chose à Samuel, mais lorsque nous lisons la suite au chapitre 10, nous voyons que c'est plutôt Samuel qui a servi. Il a dit, réserver l'épaule de la brebis qui avait été égorgée, gardée. Il a dit au cuisinier de donner ça à Saul. Donc c'est plutôt le prophète qui offre. C'est quand même curieux aujourd'hui que les prophètes que nous avons aujourd'hui, les apôtres que nous avons aujourd'hui, ne reçoivent dans leur maison que les gens qui sont en amitié, ceux qui travaillent dans les hautes places de la société. Voilà pourquoi je vous ai dit la dernière fois que les vrais prophètes ne recherchent pas les gens par motif d'intérêt. Ils prêchent la parole de Dieu. Nous voyons également le cas d'Élisée qui a reçu des gens. Il a dit au roi, donne-leur à manger. Les gens qui avaient faim, Élisée leur donnait à manger. Quand les gens avaient faim, on n'a pas donné l'offrande prophétique à Jésus. Pourtant, il est la parole manifestée. C'est lui qui faisait manger les gens. Donc aujourd'hui, les gens, par suite, on va voir, ça sont les caractéristiques. Donc tout prophète qui te dit, donne-moi de la nourriture, après avoir fait une prophétie, alors il est en train de, comme ça, de reprendre l'argent de son onction qu'il a acheté. Donc les prophètes, véritablement, de Dieu, les caractéristiques des vrais prophètes, ils sont hors de tout système religieux. Voilà pourquoi il ne peut pas être appréhendé par un être, par des organisations humaines pour les soumettre à leur volonté. Et en fait, il est généralement méprisé et méconnu du grand public. Il aime la nature et la solitude d'où il entre en contact avec celui qu'il appelait. En fait, il connaît personnellement Dieu. Donc, la connaissance personnelle de Dieu par les prophètes sont l'une des caractéristiques. Oui. Évangéliste, permettez-moi de vous relancer. Vous parliez tantôt de cette caractéristique qu'il est méprisé et rejeté. Est-ce que vous pouvez illustrer cela dans la parole? Alors, en fait, tous les prophètes de la Bible, si nous prenons le cas, par exemple, de Jérémie, nous voyons très bien que tout le peuple était contre Jérémie, malgré que Jérémie avait ainsi dit le Seigneur. Y compris, on l'a à plusieurs fois emprisonné dans la parole. Si nous prenons le cas dans le livre de 1 Roi, chapitre 22, de Michée avec les prophètes de Dieu. Nous prenons le cas d'Élie avec les 450 prophètes d'Astarté et les 400 prophètes de Baal. Nous voyons très bien que les caractéristiques des prophètes. Prenons le cas de Jean-Baptiste, par exemple, qui est venu au temps de Jésus-Christ. Oui. Il avait été rejeté jusqu'à ce que même les pharisiens, remarquez bien encore ces choses pour montrer que ce sont les pharisiens, c'est-à-dire que ceux qui sont sur la place de la scène religieuse, ce sont eux qui rejettent véritablement les prophètes de Dieu. Mais le peuple qui écoute la nature, qui peut regarder là la nature et sonder le Dieu dans leur cœur, peuvent reconnaître directement les sept prophètes là simplement. Mais ceux qui sont embrigadés dans les prisons de formation de fous appelés brigades de théologie peuvent difficilement regarder un vrai prophète au sens biblique du terme. Donc regardez Jean-Baptiste dans Luc au chapitre 7 au verset 30, la Bible déclare que les pharisiens en ne se faisant pas baptiser du baptême des gens ont rendu nul effet le dessein de Dieu dans leur vie, les pharisiens, pas le peuple. Oui. Donc le peuple l'a reconnu pour montrer que c'est dans la simplicité. Celui qui cherche Dieu, cherche ce Dieu au travers de sa parole, avec la simplicité du cœur, reconnaîtra directement les prophètes de Dieu. En fait, le prophète ne s'enrichit pas derrière le dos du brebis. Donc, toute personne qui prêche dans l'optique d'amasser le trésor entre ses mains. Puisque, en fait, les prophètes aussi et les pasteurs citent généralement un verset qui dit « L'ouvrier mérite son salaire ». Maintenant, je me pose toujours la question de savoir qui est-ce qui emploie. Frère Raoul, si vous travaillez dans une entreprise, qui va vous payer? Ceux pour qui vous travaillez ou bien ceux chez qui vous travaillez? Alors, je pense pour ma part que, prenons un policier par exemple. Imaginez qu'un policier soit dans la rue, il demande au taximan, payez-moi, je suis policier, c'est pour vous que je sais. Alors, ça n'a pas de sens. C'est l'État qui l'a employé. Donc, si quelqu'un se dit serviteur de Dieu, un prophète, on dit le prophète, c'est le porte-parole de l'Éternel. C'est Dieu qui l'a appelé. Et qui emploie donc cette illustration, tant pour moi. Si nous prenons cette illustration, nous voyons très bien que c'est qui emploie le prophète, qui emploie l'apôtre, qui emploie le pasteur. C'est Dieu. Voilà pourquoi ces dons ministériels sont des dons directement reliés à Dieu. Donc, ils sont prédestinés. Donc, ce n'est pas par issue d'une formation, par issue d'une amitié avec un certain collège qu'on attribue ces titres. Donc, il faut aussi faire la distinction entre les titres octroyés par les hommes et les titres de Dieu. Voilà, ça, c'est ce que nous venons essayer de déceler ce soir. Donc, il y a des gens qui sont imposés eux-mêmes, il y a des gens que les hommes ont imposés, mais il y a des gens au milieu de ceux-là que Dieu lui-même a appelés. Donc, ce sont les caractéristiques de ces personnes-là que nous voulons déceler. Et nous voyons donc que Dieu qui appelle,
rend le ministère de la personne visible aux yeux de ceux qui l'a prédestiné. Et en plus de cela, c'est lui qui paye la personne. Ça veut dire, l'ouvrier mérite son salaire. Veut dire, si nous voyons, par exemple, dans le livre de Matthieu chapitre 10, quand le Seigneur a envoyé les disciples, quand ils sont rentrés, Jésus-Christ en les envoyant avait dit, ne prenez ni sac ni de doublure. Il a dit, l'ouvrier mérite son salaire. Par la suite, quand les disciples vont venir, il a dit, est-ce que la première fois quand vous êtes partis, vous avez manqué quoi que ce soit? Jésus, ils ont dit non. En fait, les disciples sont partis, ils n'ont pas pris de l'argent, ils n'ont pas imposé les dîmes et les offrandes aux gens, mais ils ont eu ce qui était nécessaire pour eux pour pouvoir vivre. C'est pour dire que tous ceux qui prêchent l'évangile, si nous prêchons l'évangile, Dieu est capable de s'occuper de nous. Donc, pour les vrais prophètes de Dieu, si vous voyez dans la Bible, en fait, si à moins que quelqu'un ait une autre Bible, la Bible que j'ai devant moi montre clairement donc, que. En d'autres termes, oui. Ceux qui sont consacrés au ministère de la parole, prédication, de l'évangile, pasteur, prophète, oui. Ils doivent réclamer leur nourriture, leur salaire de Dieu. Absolument. Absolument. Des brebis. Et il faut aussi faire une différence. Quand nous lisons le livre de Galates au chapitre 6, le verset 6, la Bible déclare clairement que voilà pourquoi beaucoup de pasteurs utilisent ça pour dépouiller les gens, que ceux à qui on doit enseigner la parole de Dieu vont faire part de tous leurs biens à ceux qui sont enseignés. Il faut véritablement que les chrétiens puissent comprendre. Ce que j'ai dit, c'est que si quelqu'un est chrétien au sens biblique du terme, il doit comprendre qu'il est le gestionnaire de tous ses biens. Donc ça veut dire que le Seigneur dispose, lui a donné ces biens-là pour qu'il puisse disposer. Oui. On ne doit pas dépouiller le peuple de Dieu. Quelqu'un ne doit pas donner quoi que ce soit dans le ministère en étant frustré. Et c'est cette frustration-là qui fait à ce que le nom du Seigneur est blasphémé aujourd'hui. Quand les gens viennent prêcher, je peux vous donner un petit témoignage. Il y a quelqu'un qui est venu me rendre visite. Il a entendu parler de moi. Je lui ai parlé de la part de Dieu. La personne en sortant, j'ai vu, il a retiré une enveloppe. J'ai dit, frère, qu'est-ce que tu fais? Il dit que il me dit que tu sais qu'on ne va jamais chez un prophète les mains vides. Il dit, frère, fais attention. Rentre avec cela. Il était étonné. En fait, ce frère a causé des divisions dans l'église à cause de l'argent qu'il a. Le Seigneur lui a donné l'argent, il ne sait pas comment diriger. Alors, c'est l'argent qu'il a causé des divisions entre les pasteurs, parce que les pasteurs avaient les yeux sur de l'argent. Il était surpris de venir vers moi, je n'ai pas pris de l'argent. Donc, il faut que les gens comprennent que leur bien, c'est à la disposition du Seigneur. Et il faut donc qu'on enseigne les gens la manière de s'aimer à la manière biblique pour qu'on puisse s'aimer ainsi. Donc, les pasteurs qui utilisent Galates 6 pour le dire, en fait, ils n'enseignent même pas la parole de Dieu aux gens pour que les gens puissent participer. Si on enseigne la parole au sens biblique, l'amour, les gens vont s'aimer parce que Dieu a dit, la Bible déclare dans Jean chapitre 3, verset 16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Lorsque quelqu'un aime véritablement le Seigneur, il va donner sans qu'on lui impose quoi que ce soit. Alors maintenant, quand on vient dans des vies, on impose des offrandes de culpabilité. J'ai suivi quelqu'un raconter dernièrement que les gens ont fait des mumus dans l'église. On a imposé que si vous faites des mumus, il y a des cartes pour offrir les offrandes de culpabilité et des mumus. Je ne sais pas où est-ce qu'on peut chercher ça dans la Bible. Alors que la Bible déclare que si nous péchons, nous demandons pardon à Dieu. Son sang est fidèle pour nous purifier. Donc, si nous ne lisons pas la parole de Dieu, si les gens ne lisent pas la parole de Dieu, les gens vont prendre des versets comme ça et comme tant d'autres. On prend dans 1 Corinthiens 8, où on a dit que celui qui donne le donne avec sans murmurer, parce que Dieu aime ceux qui donnent sans murmurer. Comment quelqu'un va faire pour ne pas murmurer alors que tu le presses à donner en murmurant? Donc, on pousse les gens non seulement à pécher parce qu'ils sèment sur la mauvaise terre et en sèment encore en péchant dans le cœur. Et il y a des gens, même, j'ai encore vu. C'est un cas, ma tante qui allait dans une assemblée, on a dû fermer la porte que tant que l'offrande n'atteint pas telle somme, on ne sort pas. Elle est sortie de là le jour, elle a dit que c'est la dernière fois qu'elle met les pieds. Combien de personnes sont mal enseignées aujourd'hui? Combien de personnes, en fait, je comprends une chose, et ça c'est ma responsabilité devant le Seigneur, de parler de ces choses. Je comprends qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là pour faire le commerce et c'est l'entreprise des gens. Donc nous sommes là pour dénoncer de telles choses. Vous parliez tantôt des caractéristiques du vrai prophète. Oui. Je ne sais pas si vous êtes arrivé au bout de votre pensée. Donc, je disais donc pour reconnaître le vrai prophète, à l'issue de cela, ça, ce sont les petites caractéristiques pour savoir si ces caractéristiques se trouvent dans la vie des personnes qui s'appellent prophètes. Oui. Ben, maintenant, pour ce qui est des faux prophètes, si vous permettez, pas directement aux faux prophètes. Donc, ce qui se caractérise les faux prophètes, j'ai dit la dernière fois, c'est d'abord la faillibilité dans ces déclarations. Pour ce qui est des vrais prophètes, on avait dit qu'ils avaient l'ainsi parle le Seigneur. Donc, quand le prophète parle ainsi, si parle le Seigneur, ce n'est pas lui. Il cite ce que Dieu a dit. Et la chose doit venir à l'existant tel qu'il a déclaré. Rien ne doit être retranché, rien ne doit être ajouté. Tel qu'il déclare le prophète, le vrai prophète, est-ce ça arrivera. Est-ce que vous pouvez illustrer cela, hein? Prenons un exemple. Lorsque le prophète Ésaïe vient dire au roi, dans le livre d'Ésaïe au chapitre 7, nous voyons comment il demande au roi, demande un signe pour toi. Le roi lui a dit, je ne tenterai pas Dieu. Il dit, ok, quand bien même que tu ne tenterais pas Dieu, voici le signe que Dieu te donne. Voici la Vierge enfantera. Quand Élie dit cela, il dit ça 800 ans avant que le Seigneur Jésus-Christ ne vienne au monde. Alors, c'était impensable au sens scientifique du terme, comment la Vierge va venir à l'existence. Comment la Vierge, sans avoir eu de rapport, peut enfanter. Alors, nous voyons que même comme le prophète Ésaïe n'était pas là, 800 ans plus tard, Marie a conçu.
conçu de Jésus-Christ de façon miraculeuse par le Saint-Esprit. Donc voilà, ainsi parle le Seigneur. Quand la Bible dit par exemple, ainsi parle le Seigneur à Jérémie que Nebuchadnezzar viendra ici l'amener captif tous ceux qu'il a vus. Alors la Bible dit que Nebuchadnezzar est venu amener à déporter les Juifs à Babylone. Donc ça ne peut pas faillir. Tout, ainsi parle le Seigneur également dans le Nouveau Testament. Nous voyons le prophète Agabus dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 11 à partir du verset 8 où il y avait les filles de Philippe qui prophétisaient et Agabus s'est levé. Il a prophétisé par l'Esprit qu'il y aurait une famine. Et la Bible déclare clairement que cette famine arriva effectivement sous Claude. Donc l'ainsi parle du Seigneur ne peut pas changer. Et en fait, l'ainsi parle du Seigneur est lié à sa parole qui est infaillible. Parce que tout, je voulais vous dire la dernière fois que la parole de la Bible est prophétie et n'est que prophétie. Oui. Voilà pourquoi dans le livre d'Apocalypse par exemple, on dit que Satan sera lié pour 1000 ans. Et tel que c'est écrit, ça arrivera, bien que ce soit devant nous. Par exemple, c'est écrit pour le cas de l'Église que l'époux sera enlevé bientôt. Et l'enlèvement est devant nous. Qu'on le croit ou non, que les gens soient prêts ou non, les gens qui écoutent la parole de Dieu, qui croient, se prépareront. Et Jésus-Christ viendra retirer son épouse comme il a dit. Puisque la première fois, quand il a dit par Esaïe que la Vierge enfantera. À moins que les gens ne veulent pas accepter que Jésus-Christ est né. Il est effectivement né et pas une Vierge comme Dieu l'avait déclaré par Esaïe que la Vierge enfantera. Donc voilà le cas des exemples, par exemple. Il y en a tellement dans la Bible. Il y en a plus de 4000 fois ainsi par l'Éternel là-bas dans la Bible qui a été déclaré. Et cela a été infaillible. Donc ça constitue l'infaillibilité et l'exactitude de ce que tu dis. En fait, et ça confirme même la personne même qui emploie la personne qui en a parlé. Puisque nous avons dit que c'est les prophètes parlent de la part de Dieu. Donc Dieu les utilise comme les bouches pour parler. Voilà. Vous faites là le décryptage maintenant des faux prophètes. Voilà pour ça. C'est pour ça qu'il dit en contrepartie que l'une des failles des faux prophètes, c'est la faillibilité de leurs paroles. Puisque ça va c'est le contraire du vrai prophète. Oui. Alors, l'autre caractéristique, c'est qu'en fait, l'une implique l'autre. S'il est faillible, alors cette parole-là, puisque ça ne manque pas de Dieu, va faire forcément détourner les gens de la parole. C'est ce que nous voyons dans le livre Actes des Apôtres, chapitre 13, que nous avons lu ici la dernière fois, au verset 9 à 10, où il y avait un Simon qui, le magicien Elimas, qui détournait le proconsul et l'empêchant d'écouter la voix du Seigneur. Et l'apôtre Paul a parlé de la part du Seigneur une fois de plus, pour montrer que c'est infaillible. Il a dit que l'obscurité tombera sur toi. Avant qu'il ne finisse de parler, le monsieur était aveugle, pour montrer qu'il y aura chaque fois les confrontations entre les vrais et les faux prophètes. Et les déclarations doivent être confirmées par les deux. Dieu. Alors, donc le rayonnement de l'amour ne manque point de puisque en fait ils ne savent pas le Dieu d'amour. Ils aiment les gens pour ce qu'ils sont, à cause du matériel. Ils sont cupides. J'ai dit la dernière fois que l'une des caractéristiques des faux prophètes, y compris tous les serviteurs qui sont liés à Satan, c'est la cupidité. Et on a vu dans le livre de 2 Pierre au chapitre 2, on a lu dans le livre de Jude, si vous le regardez également dans le livre de Jude, il dit qu'ils ont suivi les chemins de Balaam. Donc, il est inconsistant dans la parole. Et, c'est-à-dire qu'il sort un verset hors de son contexte, comme par exemple nous avons lu dans le livre de Galates au chapitre 6 là, et il détourne le verset de son contexte pour pouvoir s'enrichir. Il ne parlera jamais. Et remarquez très bien, il y a une sœur qui a posé la question la dernière fois, si on dans l'assemblée, on dit que quelqu'un se lève pour donner le fond, pour se connecter à, je crois la sœur avait parlé à la bénédiction parce que le frère ou bien la sœur avait obtenu du travail. Remarquez très bien que cette offrande là n'est pas faite pour donner à la personne qui est source de cette bénédiction. Remarquez très bien, ça veut dire que les faux serviteurs de Dieu sont cupides. Ils vont susciter n'importe quel mouvement au sein de l'assemblée pour pouvoir s'enrichir. Voilà pourquoi ils vont organiser les séminaires sur les couples, les séminaires sur les non-mariés, les séminaires sur les divorcés, les séminaires sur ceci, alors que la parole de Dieu est suffisante pour nous éduquer. Donc ils vont écouter, donner les séminaires pour que les gens payent. Et ça ne peut pas être gratuit, il faut que ça soit payant pour que les gens puissent donner les offrandes. Ce sont des mouvements pour pouvoir avoir de l'argent des enfants de Dieu, au lieu d'envoyer les enfants de Dieu dans la parole de Dieu. Donc les serviteurs de Satan, les faux prophètes, parce qu'il s'agit d'eux ici en majorité, sont des gens qui sont cupides. Donc leur plein, ce sont la ruse qui est dans leur cœur, la fraude, la cupidité, c'est ça qui les caractérise. Il faut qu'on vérifie, j'avais dit la dernière fois, si qu'on vérifie dans leur vie, on va voir toujours les malversations, les divorces, l'impurité, l'impudicité, et surtout, parce que j'ai écouté dans cette vie, quelqu'un a dit qu'il allait dans la tombe de Jésus, c'est là où il a vu la vision. Ils servent les morts. Je reste avec vous, Évangéliste. Merci à ceux qui viennent de prendre le train en cours. Vous écoutez Radio Bonne Nouvelle, la fréquence du corps de Christ. Blessed Afternoon s'intéresse à la thématique « Le chrétien face à la prophétie aux pratiques divinatoires, quelle attitude adopter ?» C'est l'acte 3, troisième partie de ce programme. Vous aurez l'opportunité de réagir tout à l'heure à 17h20, 33 07 56 32, 33 07 56 32, si vous nous appelez à l'étranger, veuillez simplement composer 237, voilà, et 94 11 94
87 94 11 94 pour les SMS. Évangéliste, je reste avec vous, hein, il faut le dire. Dites-nous donc, comment est-ce que certains prophètes ou serviteurs de Dieu, sincères, il faut le dire, sont passés du vrai au faux, tel que vous expliquez, de la vraie prophétie ou de la vraie doctrine à la fausse doctrine ou du vrai enseignement au faux enseignement à la divination? C'est également une bonne question. En fait, il faut qu'on remarque que dans la Bible, les gens qui sont véritablement vrais ne peuvent pas quitter du vrai à faux. En fait, la nature ne peut pas changer. Je veux dire, le maïs restera maïs, qu'on le feuille ou non. Le chat sera chat. Il peut avoir des mutations pour aller à quelque endroit. On va aller dans la Bible, on va voir beaucoup d'exemples dans la Bible. Prenons un exemple. Allez-y. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut que j'essaie de recentraliser cette question-là véritablement. Allez-y. Quelqu'un ne peut pas quitter de vrais serviteurs à faux serviteurs. En fait, il peut seulement se détourner. Quand il dit c'est détourné, ça veut dire qu'il sait clairement dans sa conscience qu'il est en train de faire ce qu'il va. En fait, quelles sont les causes? L'imitation. L'imitation est le principal cause. La cupidité. Prenons le cas de Balaam, par exemple. Allez-y avec des illustrations. Si nous prenons le cas de Balaam dans la Bible, par exemple, Balaam, personne ne peut dire. Vous pouvez lire pour nos auditeurs. Prenons dans le livre de Nombres, chapitre 22. Pour la gouverne de nos auditeurs, vous pouvez lire. Alors, les auditeurs peuvent prendre la Bible dans le livre de Nombres, chapitre 22, à partir du chapitre 22. Nombres, à partir du chapitre 22. Nombre chapitre 22. Je vais lire. Alors, la Bible déclare, les enfants d'Israël partis, à partir du verset 1, et ils campaient dans la plaine de Moab, au-delà du Jourdain vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face du peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian. Regardez bien. Je vais m'arrêter d'abord au verset 4 pour dire. Regardez bien. Le roi Balak va voir les anciens de Madian. Or, Madian, si vous regardez très bien, Madian, c'est là où Jéthro, qui est le beau-père de Moïse, était sacrificateur. Mm-hmm. Et pour le conseil qu'il lui donne montre que Jéthro, c'est véritablement le vrai Dieu, puisqu'ils sont parentés. Moab et Israël sont parentés. Ça veut dire qu'il sait fondamentalement le vrai Dieu, mais la loi de la promesse est coule par Israël. C'est pour cela que de Madian donc, est issu donc Balaam. Balaam vient devant les enfants d'Israël pour qu'on va court. Je vais expliquer l'histoire. Les enfants de Dieu qui sont à la maison me suivent maintenant, ils connaissent l'histoire. Balak, regardez bien, Balak va envoyer les gens vers Balaam en lui donnant les offrandes, comme les gens aiment les offrandes des prophètes. Et à cause des offrandes, Balaam a eu la révélation de la part du Seigneur en disant, ce que Dieu a maudit, tu ne peux pas maudire parce que Israël est déjà maudit, Israël c'est mon peuple. Et il savait ça fondamentalement, tout enfant de Dieu, tout prophète de Dieu savent que l'horloge du temps c'est Israël, que Israël est aimé de l'Éternel. Et Balaam le savait. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Remarquez bien, le cas de Balaam est pathétique dans la Bible parce que Balaam, connaissant la volonté parfaite de Dieu, sachant que ce qui sort de la bouche de Dieu en premier lieu est la volonté parfaite et définitive. Dieu ne peut pas changer. Si Dieu glisse en disant que va alors, fais alors c'est la volonté secondaire, la volonté permissive. Et là, il y a des sanctions. Balaam a dit, passez la nuit ici, je verrai ce que l'Éternel dira. Or, l'Éternel lui a déjà répondu, que vient faire ces gens ici? Tu ne dois pas aller avec eux. Par la suite, Dieu a dit, il faut aller. Qu'est-ce que nous voyons dans la vie de Balaam? Que à cause des présents, parce que Balaam lui a fait des promesses, à cause des présents, beaucoup de vrais serviteurs, remarquez très bien, nulle part dans la Bible, la Bible n'a pas dit que Balaam était un faux prophète. Donc, il faut que les enfants de Dieu distinguent ce qu'on est en train de dire ici. Il y a le cas des gens qui sont faux, c'est-à-dire que dans le conseil de Dieu, Dieu ne les connaît pas, mais par usurpation. Ils calquent leur modèle sur notre parole de Dieu et puis ils essaient de dissiper les gens. Voilà pourquoi nous ne voulons pas que les enfants de Dieu en soient trompés. Mais je parle maintenant des serviteurs de Dieu, connaissant Dieu, parce que je reconnais que les véritables personnes qui sont passées dans la formation de Dieu sont formées avec des difficultés. Oui. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit tout à l'heure que les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par la patience à toute épreuve. Il va expliquer clairement qu'il a passé dans les jeûnes, dans les veilles, dans les nuits, il a lutté contre les lions. Et il y a des gens qui sont passés par là, mais détournés, c'est ce que vous voulez dire. C'est exactement ce qu'il veut détourner. C'est-à-dire que, voyant de telles difficultés, et j'en ai eu des cas, frère, j'aimerais parler ici. Il y a des gens qui sont venus me voir, connaissant le don de Dieu qui est sur ma vie, ils ont voulu me faire détourner en disant, on peut te proposer, il suffit que tu donne ton accord, j'appelle telle personne aux États-Unis, on va t'initier, on va te faire intégrer dans notre groupe pour que tu puisses aller, on va te voir sur la scène internationale. Et c'est tellement subtil et séductible que si quelqu'un n'est pas appelé de Dieu, écoutant la voix de Dieu directement, tu vas partir. Beaucoup de personnes que je connais dans cette vie-ci sont détournées ainsi, véritablement appelées initialement de Dieu. Mais regardant le gain, la facilité, la popularité, la soif de gain, la soif d'avoir l'honneur aux yeux des gens, se sont tombés. Remarquez bien. Balak a dit à Balaam, si tu viens avec moi et tu maudis Israël, je te ferai des honneurs, je te donnerai beaucoup plus de présents. En fait,
malgré qu'on quand nous lisons la suite de l'histoire, nous voyons que c'était l'intention de Balaam. Pour montrer que le vrai serviteur, il est allé, il a plutôt béni. Et il a dit, je ne peux pas faire autrement. Pour montrer que les vrais serviteurs de Dieu, les vrais prophètes sont entre les mains du Seigneur. Et la Bible, les caractéristiques même des vrais prophètes se trouvent aussi en Balaam. Il dit, voici ainsi parle Balaam, l'homme qui a les yeux ouverts. Il se prosterne, écoute la voix de Dieu, qui connaît le destin de tout puissant. C'est ce qu'il va dire dans le livre de Nombre au chapitre 24, à partir du verset 1 à 4. Okay. Donc ça veut dire que Balaam avait la vision. Il voyait l'Éternel, il assistait au conseil de Dieu. Donc c'était un prophète de Dieu. Et il parlait de la part de l'Éternel. Il dit, je ne peux pas faire quoi que ce soit. Exactement ce que Michel a dit. J'ai déclaré, l'Éternel est vivant. J'ai déclaré ce que l'Éternel aura déclaré. Donc c'est un prophète de Dieu. Mais par la suite de la manifestation sociale, des caractères sociaux, ça veut dire que les prophètes même de Dieu, les serviteurs de Dieu peuvent se compromettre par suite des styles de personnes avec qui ils côtoient. Balaam est allé directement avec Balak. Et nous vous comprenons très bien que si un serviteur de Dieu véritablement ne se retire pas du monde, ne se retire pas de cette association que le monde essaie de tisser autour des enfants de Dieu pour les mettre dans ce système œcuménique, ils vont tomber dans ce piège de Balaam. Voilà pourquoi la Bible déclare qu'ils ont suivi la voie de Balaam. Alléluia. Voilà, là vous parliez tantôt, vous nous donniez l'exemple de Balaam pour montrer comment certains serviteurs de Dieu se sont détournés. Voilà. Ok, il y avait un deuxième exemple que je voulais aussi étayer. Allez-y. Le cas, et prenons la Bible, si vous êtes à la maison, dans le livre de 1 Roi au chapitre 13. Oui. 1 Roi au chapitre 13. Le livre de 1 Roi, c'est l'histoire, beaucoup de personnes connaissent déjà l'histoire, c'est cette histoire dans la Bible, et je vais relire aujourd'hui. Dans 1 Roi chapitre 13, oui. 1 Roi chapitre 13, la Bible déclare, voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel. Remarquez très bien, comme des caractéristiques. Donc, ils ne se déplacent que sous la parole de l'Éternel. Ils ont l'ainsi par le Seigneur. Pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums, il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et il dit, autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Quelle précision, frère! Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Si nous lisons le livre de 2 Rois, chapitre 23, c'est exactement ce qui est accompli là-bas. Et le même jour, il donna un signe en disant, c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici, l'autel se fendra et la cendre qui est au-dessus sera répandue. Lorsque le roi étendit la main que l'homme... Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait criée contre l'autel de Bethel, il avança la main de dessus l'autel en disant, saisissez-le, et la main de dessus l'autel en disant, saisissez-le, et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche et il ne put la ramener à soi. L'autel se fendit et la cendre qui était dessus fut répandue selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi afin que je puisse retirer ma main. L'homme de Dieu implora l'Éternel et le roi put retirer sa main qui fut comme auparavant, comme pour dire Dieu confirme ses serviteurs. Ah oui. Verset 7, le roi dit à l'homme de Dieu, entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture et je te donnerai un présent. Prenons un exemple, voici le cas typique que nous avons là, voici ici là. L'homme de Dieu dit au roi, quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi et je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ces lieux-ci. Pourquoi avait-il répondu comme ça? En fait, il avait répondu comme ça. Nous voyons ici la genèse même du prophète. En fait, c'est l'Éternel qui lui avait donné cette instruction. Mais je vais dire, c'est le verset suivant montre sa genèse. Allez-y. En fait, la Bible déclare au verset 9, il dit, car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau et tu ne prendras point le chemin par lequel tu seras allé. Donc, nous voyons très bien qu'il dit clairement ce que Dieu lui a dit de ne pas manger. Il n'a pas besoin de dire cela au roi. Il donnait la parole de sa position en disant, je ne prendrai pas de présent ni quoi que ce soit, et n'a pas besoin de se démontrer. C'est pour montrer effectivement sa jeunesse dans les prophéties, sa jeunesse dans la façon de transmettre les messages de Dieu. Voilà pourquoi on parle ici comme étant le jeune prophète et le vrai prophète. J'aimerais qu'on continue pour trouver véritablement Allez-y. Le verset 10 dit, et il s'en alla par un autre chemin. Il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Bethel. Remarque bien, il est en train de marcher dans la voie de Dieu. Oui. Okay. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Voici un signe. En fait, le verset 1 dit, voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel. Or, verset 11 nous dit, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Pourquoi le vieux prophète demeurait à Bethel? Dieu ne l'a plus utilisé. Parce que c'est un prophète qui s'était compromis.
Quand nous voyons le roi Jéroboam faire ici, on voit clairement que c'est quelqu'un qui s'était compromis. Dieu n'avait plus confiance en lui. Et la suite de l'histoire, la suite de ces lectures va nous montrer clairement que c'était un menteur. Il pouvait mentir alors que les serviteurs de Dieu sont les sources de vérité. Dans leurs lèvres, ils doivent détourner beaucoup de personnes. Ces vieux prophètes s'étant compromis aux yeux de Dieu, Dieu ne peut plus l'utiliser. Et alors, il suscite des jeunes. Et c'est l'occasion que je parle, je profite de cette occasion pour parler aux jeunes qui m'écoutent maintenant. Que Dieu, le Dieu Tout-Puissant, est en train de susciter de part et d'autre dans toutes les dénominations qui sont en train de sortir. Je leur commande maintenant au nom de Jésus de prendre courage et de ne pas retourner via les vieux prophètes qui ont toujours corrompu le système auquel Dieu a rejeté. Donc, ce jeune prophète va rencontrer maintenant le vieux prophète. Le vieux prophète nous dit quelque chose. Regardez à partir du verset 15. Alors, il lui dit, viens avec moi à la maison et tu prendras quelques nourritures. Mais il répondit, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi et c'est en ce lieu-ci. Car il m'a été dit, vous voyez, une fois de plus, sa jeunesse, la façon de transmettre le message. Mais, Évangélique, comment comprendre que ce vieux prophète, étant prophète de Dieu, puisse aussi amener ce jeune prophète à se compromettre, sachant qu'il est en train de lui citer l'instruction de l'Éternel? Alors, comprendre? C'est ici donc le discernement. Voici exactement là où il faut le discernement. Remarquons très bien que ce jeune prophète avait l'ainsi par l'Éternel et c'était authentique. Ça a été confirmé quand la main de Jéroboam avait s'était séchée. Oui. Il aurait dû, en fait, en tant que prophète, s'il avait l'expérience même de la puissance prophétique, il devait savoir que quand Dieu a dit, on ne doit pas nier. En fait, il a esquivé le cas ici pour montrer que la tentation est vraiment rude dans le monde pour les vrais serviteurs de Dieu. Il a esquivé Jéroboam, il est tombé sur le prophète. Remarquons une fois de suite que le plus jeune prophète a esquivé quelqu'un du monde. Jéroboam peut symboliser quelqu'un du monde ici. Et c'est quelqu'un de religieux qui l'a fait tomber. C'est terrible, frère. C'est ce que j'en ai dit. Donc, un serviteur de Dieu peut facilement quitter le monde, mais le piège se trouve au niveau des serviteurs de Dieu, ceux qui se disent serviteurs de Dieu. Mais le problème, c'est qu'ils vont citer la parole de Dieu, mais à un moment donné, ils vont se détourner. Mais je vais dire ceci, quand quelqu'un a reçu la parole de l'Éternel comme un prophète, en fait, ça me dépasse. Quand quelqu'un est issu de la parole de Dieu, qu'elle est engendrée de la parole de Dieu, parce que les prophètes sont de la semence de cette parole-ci. En fait, quand il reçoit la parole directement du Seigneur, l'instruction de la part du Seigneur, il aurait dû contacter le Seigneur. Comment se fait-il qu'il ne puisse pas contacter le Seigneur pour savoir si c'est vrai ou faux? En fait, ce vieux prophète ne lui dit pas que c'est Dieu qui lui a dit directement. Il dit un ange du Seigneur, parce qu'il avait maintenant l'intermédiaire. Oui. Or, celui-ci est venu directement. La parole est venue directement du trône pour le toucher. Maintenant, celui-ci vient lui dire un ange du Seigneur est venu. Or, la Bible nous enseigne que si. Et cet intermédiaire, que signifie-t-il? Et cet intermédiaire veut dire vraiment qu'il avait été persécuté. Il n'avait plus directement la source directement du trône, puisqu'il mentait. Donc, l'intermédiaire peut être vrai ou faux. L'intermédiaire peut être vrai ou faux, exactement. Ça veut dire que si quelqu'un parle de la part de Dieu en passant par un intermédiaire et que ce que tu as écouté directement du trône elle semble contradictoire, forcément tu dois admettre ce qui était venu de toi par Dieu. Parce que Dieu ne peut pas dire quelque chose lambda et se contredire en bêta pour le même événement. Donc cet homme de Dieu, Dieu avait déjà dit dans la volonté parfaite, comme on a vu dans le cas de Balaam, avait dit n'y va pas, quand tu vas, ne rentre pas par le même chemin, tu ne mangeras rien là et tu ne boiras pas. C'est la volonté parfaite de Dieu là-bas. Et chaque fois quand Dieu parle de sa volonté parfaite, et remarquons que le Seigneur maintenant dans sa volonté permissive va passer par ces mêmes vieux prophètes pour montrer qu'il avait les séquelles. Il avait les séquelles des dons de prophétie. Dieu va passer par lui encore pour donner la sanction à ce même monsieur. C'est quand même curieux que quelqu'un qui vient de mentir, Dieu passe par lui pour le donner, pour montrer que c'était un serviteur de Dieu, c'est pas un faux prophète. C'était un serviteur de Dieu qui s'était détourné. Ça veut dire que à quelques moments que ce soit, Dieu dans sa souveraineté peut l'utiliser encore de façon momentanée pour donner ses instructions. Mais il faut fuir de telles personnes qui ne marchent pas dans la volonté parfaite de Dieu. De telles personnes vont seulement recruter des gens dans leur camp de désobéissance à la parole de Dieu. C'est ce que vous voulez dire par rapport à ces ministères où les gens puissent se détourner. Je reste avec vous. Je reste avec vous. Partant donc de l'exemple que vous nous donnez, oui. D'un côté, on a un jeune prophète. D'un côté, on a un vieux prophète, le jeune prophète qui est trompé par le vieux prophète. De vous parler d'expérience, vous parler de l'immaturité. J'aimerais savoir, évangéliste, cet exemple donc, d'où vous partiez, d'où vous êtes parti, autant pour moi, de 1 roi 13. Entre le vieux prophète et le jeune prophète, est-ce qu'on prophétise par ancienneté ou par expérience? Dites-nous. Absolument pas. Si on voit dans la Bible, on va voir l'histoire, Dieu a toujours utilisé les gens à sa guise. À tout âge, Dieu peut faire prophétiser les gens. Si nous prenons depuis la Genèse, on peut scripter la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on va voir que Dieu a utilisé les gens dans toutes les tranches. Oui. Prenons le cas par exemple de Joseph. Joseph avait été pris alors qu'il était jeune, il commençait à avoir les visions et les interprétations directement venaient de son père. Oui. Son père qui était prophète voyait clairement que l'Esprit de Dieu était sur lui. Si nous prenons le cas de Jérémie également, Dieu lui a dit, avant que tu ne fisses dans le ventre de ta mère, tu avais consacré prophète. Il voit les visions, il s'est tourné. Dieu dit, qu'est-ce que tu vois sur le temps? Je vois les chaudières là-bas. Il dit, mais tu as bien vu. Donc Dieu l'entraînait. Prenons le cas typique même de la Bible, puisque vous avez parlé de Samuel tout à l'heure. Oui. C'est le cas de Samuel, du jeune Samuel, la Bible des cas qui grandissait. Allez-y, vous pouvez le lire. Prenons le 1 Samuel chapitre 3. Allez-y.
1 Samuel chapitre 3. La Bible déclare en ces temps-là, j'ai prié que Dieu suscite encore de Samuel en ces temps-ci. La Bible déclare au chapitre 3 de Samuel, de 1 Samuel, dit, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là, comme en ces temps où nous sommes maintenant, où il y a la confusion. Dieu, merci, nous avons au moins la parole de Dieu. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie qui commençait à avoir les yeux troubles, voici encore le type, quelqu'un, un jeune qui est au service de Dieu. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Et il courut. Nous voyons très bien la jeunesse de Samuel ici. Samuel ne connaît pas encore, ne sait pas encore discerner la voix de Dieu. En fait, on va l'appeler deux fois. Et quand Élie, avec son ancienneté maintenant, pas l'ancienneté dans le Seigneur, avec le discernement qu'il pouvait avoir, a dit, en fait, nous sommes ici deux. Si tu as entendu une voix, ce n'est pas moi qui t'ai appelé. Va, couche-toi. Si quelqu'un te dit, Seigneur parle, car ton serviteur écoute. Et à partir de ce moment-là, en fait, voici encore un autre signe pour connaître les vrais prophètes. Je vous ai dit dans le signe du prophète qu'ils ont reçu l'appel directement du Seigneur. C'est déjà des voix qu'ils écoutent. Ce n'est pas, ça peut être de façon audible pour eux dans leur esprit. Dans leur esprit, mais ce n'est pas audible pour ceux qui sont aux alentours. Ah oui. Donc, Dieu a conçu. Frère, j'aimerais bien parler que je vais mettre les auteurs m'écoutent maintenant. S'ils ne m'ont pas écouté dès le début, qu'on écoute l'une des caractéristiques des prophètes en ce moment-ci. La constitution de l'esprit du prophète est totalement différente de toute constitution. Même la nature, même de leur corps physique. Oui. Ça ne décrète pas le psychique. Le subconscient du prophète. Alors, maintenant, je sais que les véritables prophètes de l'Éternel sont en train de m'écouter maintenant. Ils sauront de quoi ils sont en train de parler. Les prophètes de l'Éternel, au sens propre, au sens biblique du terme, ne dorment pas. Ça veut dire que toi et moi, comme les autres humains, on peut dormir absolument. Et c'est à l'état d'inconscience que Dieu nous parle au travers des rêves. La constitution du subconscient du prophète n'est pas ainsi. Le subconscient du prophète est fait en état d'éveil. Dieu l'a constitué ainsi. Voilà pourquoi on ne peut pas forcer à être prophète. On est ainsi. Dieu constitue le subconscient du prophète à être en état d'éveil. Ça veut dire que le prophète soit en état de conscience ou d'inconscience, il voit la vision. Ça veut dire qu'il voit la chose se dérouler. Voilà pourquoi le prophète n'a pas besoin de dormir pour avoir des visions. Il reste devant là, il parle, il est en train de voir la chose. Pour dire, et voilà, c'est l'une des personnes, puisque on va voir si le Seigneur permet la différence entre le ministère prophétique et le don de prophétie. On va en arriver à. Oui. Donc, cette chose qui est montrée, c'est Samuel étant jeune, commence à entendre la voix de Dieu. Remarquons très bien ici, il n'est pas allé dans une école de formation pour la voir. Dieu initie l'appel. C'est Dieu qui initie l'appel. Quelqu'un ne peut pas décider à ce que Dieu l'appelle comme un prophète. Jamais. C'est Dieu qui suscite les gens pour son à dessein, pour son plan. Voulez-vous nous dire, évangéliste Élie Bertrand, qu'il n'y a pas un âge spécifique à travers lequel on peut discerner la volonté de Dieu, on peut prophétiser? Il n'y a pas un âge spécifique? En fait, pour les prophètes sont prophètes depuis la naissance. Comme le cas de Samuel aussi, comme le cas de Jérémie. La naissance naturelle ou spirituelle? Quand il parle de, en fait, la naissance, c'est ça qu'il voulait expliquer. Les prophètes sont nés prophètes, mais pour ce qui est du Nouveau Testament, pour être incorporés, ils doivent passer par la nouvelle naissance comme tout le monde. Ça veut dire que ce n'est pas la nouvelle naissance qui leur octroie le titre des prophètes. J'aimerais que les gens me comprennent maintenant. Oui. Ça veut dire dès la naissance, ils savent qu'ils sont prophètes. Ça, d'une façon ou d'une autre, Dieu les a préparés ainsi. Donc, je reconnais que ceci est difficile pour les prophètes. Voilà pourquoi la Bible déclare que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Si on lisons par exemple dans le livre de 2 Rois au chapitre 5, le cas de Géasi qui allait prendre les habits de réchange à Naaman, oui. Qui remarquons très bien l'appellation. Si on lit 2 Rois, lisons cela, 2 Rois chapitre 5. Oui. Dans le livre de 2 Rois chapitre 5. Regardez très bien, quand les gens aiment trop les offrandes, si c'était à notre époque, c'est que les gens auraient pris des lèpres. Alors, Naaman est venu avec l'offrande, après la guérison, il n'a pas donné l'onction, l'offrande de la guérison. Le prophète Élisée lui a dit, va avec ton habit. Qu'est-ce qui se passe? Le serviteur, voilà l'un des caractéristiques du serviteur qui se détourne, parce qu'il a peur de difficultés. Géasi, il voit très bien que son maître laisse partir les offrandes. Il passe par derrière pour aller prendre les offrandes, comme les gens font aujourd'hui. Alors, au verset 23, Naaman dit, verset 23 de 2 Rois chapitre 5, Naaman dit, consent à prendre deux talents. Il le pressa et il serra deux talents d'argent dans deux sacs. Donna deux habits de rechange et les fit porter devant Géasi par deux de ses serviteurs. Arrivé à la colline, remarquez très bien, c'est un serviteur fidèle mais qui se détourne. Oui. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison et il renvoya ces gens qui partent. Il a dit, va vite parce que si mon maître te voit, il ne savait pas que c'est un prophète. Alors, maintenant, verset 25, il dit, puis il alla se présenter à son maître et Élisée lui dit, d'où viens-tu? Géasi
Géasi, il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté, ni d'un autre. Pour montrer que la cupidité, frère, va pousser au mensonge, à tout autre péché. Ça va entraîner. Remarquons très bien. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Donc, les prophètes sont les seuls de la Bible. En fait, ce sont les aigles de Dieu. Sont les seuls à qui Dieu a donné l'autorité sur leur propre esprit. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 14, la Bible déclare au verset 31 que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Ça veut dire que Dieu donne la latitude à un prophète de Dieu d'entrer dans son conseil à tout moment par son esprit. En fait, le prophète vit dans deux dimensions, la dimension charnelle et la dimension spirituelle. Et il quitte d'une dimension à une autre instantanément, sans bouger et sans sifflotement. Et si parlant de sifflotement, tu permets, je vais... Vous allez en arriver. Hein? Oui. Vous allez en arriver. Vous pouvez donc à tout moment nous interrompre au 33 07 56 32 33 07 56 32 237 si vous nous appelez de l'étranger. 94 11 94 27 94 11 94 27 des 137 bien entendu, vous signez vos SMS, c'est important, oui, vous voulez chuter évangéliste, avant que nous parlions bien entendu de cette épineuse question du ministère prophétique et du don de prophétie, on aimerait bien comprendre, allez-y évangéliste s'il vous plaît, je vous en supplie, ne nous appelez pas au 94 11 94 27, je vous en supplie, merci de votre très bonne compréhension, c'est pour simplement les SMS au 94 11 94 27 94 11 94 27 pour les SMS 33 07 56 32 33 07 56 32 pour les appels. Allez-y évangéliste. Ok, j'aimerais parler de la maîtrise des soi, la maîtrise des prophètes. Les prophètes ont une autre caractéristique qui est la maîtrise de cet événement quand ça leur arrive de la parole de l'Éternel. Ce n'est pas les choses de l'Éternel sont tellement spirituelles, c'est spirituel, l'Éternel enseigne que c'est donné aux hommes spirituels. Oui. Alors maintenant, si on regarde les caractéristiques par rapport au ministère prophétique et les dons de prophétie, on va voir faire ressortir cela rapidement parce que les gens qui celui qui est prophète n'a pas besoin de manifestations, je voulais dire des gesticulations externes à l'extravagance, comme danser nu ou bien tomber à la renverse pour qu'on puisse savoir que c'est l'Esprit de l'Éternel qui agit, comme par exemple dans le cas des dons de prophétie qu'on va voir qui peuvent glisser dans la divination. Bien entendu, puisque vous en parlez, parlons à présent donc de du ministère prophétique et du don de prophétie. Nous aimerions comprendre la différence entre les deux, à savoir le don de prophétie et le ministère prophétique. Mais tout d'abord, évangéliste, permettez-nous, éclairez-nous un peu sur cette question. Pouvez-vous nous expliquer d'abord ce que c'est que le ministère et ce que c'est que le don? Voilà encore des problèmes qui se trouvent ici. Vous voyez, en fait, avec le peu de temps qui nous reste, on n'a pas le temps de décortiquer tout ici. Mais avec le peu de temps qui nous est imparti, je vais essayer. Allez-y. Donc, voilà autre chose qui fait à ce qu'il y a beaucoup de déviations, beaucoup de dénominations aujourd'hui qui divisent le corps du Seigneur. En fait, le ministère tel que nous voyons aujourd'hui, tel que nous présentons aujourd'hui, n'est pas ce que la Bible enseigne. Le ministère, normalement, c'est le service qu'un chrétien rend au milieu de l'assemblée. J'aimerais bien que ça se fait comprendre. C'est voilà. Un auditeur au bout du fil, permettez-moi de vous interrompre. Allô, bon après-midi. Allô, bon après-midi. Allô. Allô, bon après-midi. Allô. Oui, allô, bon après-midi. Je vous appelle comment, s'il vous plaît? Voilà, quelques problèmes de communication. Allez-y, évangéliste, allez-y. Donc, je disais donc que le ministère tel que... Comme vous avez posé la question, la différence entre le ministère et le don. Oui. Le ministère... Je parle toujours aux chrétiens des ministères... Toute parole que nous disons ici, c'est d'après la Bible. Nous ne parlons pas d'après notre conception. Oui, allez-y. D'après la Bible, le ministère, c'est le service. Parce que ça vient du grec qui veut dire le service. Le ministère, c'est le service que chaque chrétien rend dans un corps. Par exemple, quelqu'un qui est appelé à l'enseignement, son ministère, c'est l'enseignement. Oui. Ça ne veut pas dire... Voilà, l'interprétation qu'on en a fait aujourd'hui, c'est que si quelqu'un a le ministère des guérisons, si on appelle ainsi, le service des guérisons, quelqu'un est appelé avec un don de guérison, il va construire ce qu'on appelle aujourd'hui son église, il met là le ministère des guérisons et des miracles, et puis tout le monde se situe là-bas. Qu'est-ce qui se passe comme problème, mon frère? J'aimerais que les gens écoutent ici. Ça montre que c'est le corps qui se trouve dans son ministère. Donc, c'est plutôt le contraire. Donc, quand quelqu'un conçoit le ministère comme étant le lieu où les gens vont venir, par exemple, comme j'ai pris l'exemple des cas qui ont le ministère de guérison, ils ont conçu un enclos où ils vont mettre le ministère de guérison. Ça veut dire que ceux qui ont besoin de guérison viennent à l'intérieur. C'est plutôt le corps qui est sous son ministère. Alors que la Bible nous enseigne que le ministère, c'est dans le corps. Parce que la Bible déclare qu'on met les dons que chacun de nous a reçus dans le corps. Si l'un
l'un souffre, l'un en, les autres réconfortent. Par exemple, nous sommes dans une assemblée où nous sommes cinq, par exemple. Quelqu'un a le service, a le ministère apostolique. Il rend ce ministère à l'intérieur, alors c'est son ministère. Il ne doit pas aller créer un endroit où il va mettre ministère apostolique de Regeneration, par exemple. Oui. Donc c'est ça le ministère. Le ministère, c'est le service qu'un chrétien rend dans le corps du Seigneur. Maintenant, le don, on appelle ça charisme. Oui. Le don, c'est, comme le nom le dit, c'est un gift. En anglais, c'est gift. Ça veut dire quelque chose qui est donné de façon spirituelle par Dieu pour accompagner dans un ministère bien précis. Ça veut dire que tu peux recevoir un ministère et le ministère a le don, un don spirituel spécifique pour le faire. Ça veut dire qu'il n'y a pas la dissociation entre quelqu'un doit avoir son don spirituel, il crée son ministère et l'autre a son ministère. Quelqu'un peut avoir le service. Le service, c'est la fonction du chrétien. Le don, c'est l'esprit derrière qui accompagne ce service qu'il va faire. J'espère que je me fais comprendre. J'espère que les auditeurs sont en train d'écouter. Voilà. Puisque vous faites donc cette clarification, Évangéliste, n'hésitez pas à nous interrompre au 33. Permettez-moi de rappeler le numéro 33 07 56 32. 33 07 56 32. Si vous venez de nous prendre en cours, vous êtes sur Radio Bonne Nouvelle, la fréquence du corps des Christ. L'émission, c'est Blessed Afternoon. 237 si vous êtes à l'étranger. 33 07 56 32. 33 07 56 32. Également par SMS 94 11 94 27. 94 11 94. 14-27, nous allons commencer à rendre ces SMS, vous allez apporter des éléments de réponse. Puisque vous faites donc cette précision, Évangéliste, je souhaiterais que vous... Voilà, un auditeur au bout du fil. Allô, bon après-midi. Bon après-midi, frère. Je vous appelle comment, s'il vous plaît? Marie-Françoise. Merci, Marie-Françoise. Marie-Françoise, s'il vous plaît, baissez le volume de votre poste récepteur. Je vous en supplie, pour que complètement, voilà, pour que la communication soit agréable. Allez-y, on vous écoute, Marie-Françoise. Allô? Oui, allez-y, on vous écoute. Allez-y. Oui, allez-y, on vous écoute, Marie-Françoise. Allez-y. Ok. Je voudrais juste poser une question à l'intervieweur. Tout à l'heure, j'ai suivi les temps de dire l'esprit est soumis au prophète. Je ne sais pas pourquoi exactement, parce que j'ai vu un homme de Dieu pendant la délivrance et une soeur qui était en train de prophétiser, il a interrompu la prophétie et il était en train de poser un sujet en disant l'esprit est soumis au prophète. Cela signifie quoi, s'il vous plaît? J'aimerais, si vous me donnez une réponse par rapport à ça. C'est exactement, voilà une bonne question. Voilà pourquoi il faut éclairer de telles choses. Remarquez très bien. Je crois que c'est partant de 1 Corinthiens au chapitre 14, verset 32. 32, où il est écrit clairement que l'esprit des prophètes. Remarquez, si vous lisez ces 1 Corinthiens, les deux versets précédents, il est écrit que vous pouvez tous prophétiser ensemble. Après, il dit quoi? Au milieu des chrétiens, il n'y a pas de désordre. Ça veut dire qu'il était là en disant l'esprit des prophètes est soumis au prophète pour dire que quand quelqu'un reçoit un message de la part de Dieu, il peut arrêter ce message et regarder le moment opportun selon l'ordre qui est donné pour pouvoir donner ce message. Maintenant, je vais dire quelque chose parce que c'est que la Bible dit... Vous dire que l'émotion ne devrait pas prévaloir au moment de délivrer un message que Dieu vous donne? Exactement. Voilà, c'est pour dire, pour le cas de cette sœur, c'est remarqué très bien. Oui. Ici, il s'agit... Voilà pourquoi il faut expliquer la différence entre le ministère du prophète et le don de prophétie. Répondez à cette question et puis vous glissez. Oui, effectivement, l'émotion ne doit pas nous pousser à aller dans le... C'est-à-dire que nous, on ne doit pas laisser l'émotion nous faire transmettre le message de Dieu. Alors, on peut même avoir le message de Dieu et le mal fait sur le plan charnel. Et Évangéliste, permettez-moi de vous interrompre. Un prophète de Dieu doit-il faire preuve de précipitation? Absolument pas. Voilà pourquoi je vous ai dit l'un des caractéristiques de ces prophètes, c'est la maîtrise de soi. Remarquons très bien. Je vous ai dit que le prophète Samuel était un type de prophète. Remarquons très bien que la veille, avant que Samuel ne vienne, Dieu lui a dit que je t'enverrai quelqu'un à cette heure, c'est toi, celui que tu rendrais roi. Oui. Il a donné les dispositions à sa maison. On a même préparé le repas. Saül est venu, il n'a pas su que c'était lui le prophète. Alors, quand il s'est assis, ils ont mangé. Alors, il a dit, fais avancer ton prophète, ton serviteur, je te dirai ce qui va t'arriver, tout ce qui est sur ton cœur. Il a commencé à délivrer le message. Ce n'est pas là où Saül se trouvait qu'il a reçu le message. Il a reçu le message précédemment. Ça se trouve dans son esprit. Il ne s'est pas précipité. En fait, l'une des choses qu'on peut dire encore, c'est que les gens peuvent avoir le don spirituel, mais pas sans maturité, on ne sait pas comment transmettre cela. Et je crois que c'est le cas. Si cette sœur-là, donc celle-ci en train de parler, est véritablement dans la vérité, ça peut être le cas. Mais je voudrais prendre ce cas pour expliquer ce que nous verrons. Allez-y donc, expliquez-nous, éclairez-nous au sujet de la différence entre le ministère prophétique et le don de prophétie. Ok, partant de ce que cette sœur a dit, remarquez très bien, elle a dit que pendant, c'est sûr que c'est dans un service et une sœur a commencé à vouloir prophétiser. Et des telles choses, voilà ce qu'il voulait dire tout à l'heure avant que un auditeur nous a interrompu par rapport au sifflotement. Oui. Remarquez très bien que ce qui est dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, c'est pour les prophètes, pas pour ceux qui ont le don de prophétie. C'est ce que je veux dire. Allez-y. Le ministère prophétique, c'est un ministère permanent.
Alors que le don, celui qui a le don de prophétie se manifeste à un moment donné. C'est quelque chose que c'est ponctuel. C'est ponctuel. Alors que le ministère prophétique est un ministère permanent. Ça veut dire que le prophète a constamment et de façon permanente les visions. Alors que celui qui a le don de prophétie n'a pas besoin d'avoir les visions. Mais à un moment donné, l'esprit le pousse à ouvrir la bouche et déclarer une parole de la part de l'Éternel. C'est ici donc, voilà, frère, si tu le permets, c'est dans le ministère, c'est dans le don de prophétie que se manifeste la divination. Ce n'est pas possible que les caractéristiques des prophètes. Les prophètes peuvent être totalement faux ou vrais. C'est-à-dire qu'il peut être totalement faux prophète ou totalement vrai. Mais pour ce qui est des dons de prophétie, c'est ici le discernement véritablement. C'est-à-dire que ceux qui ont le don de spirituel, appelé le don de prophétie, c'est là où se manifeste le don spirituel. Parce que ceux qui si les gens sont d'accord avec moi, et en plus ce sont les sœurs qui sont toujours sous l'influence. Pour expliquer encore cela, essayez de nous permettre de comprendre à quel moment la divination intervient-elle dans le don de prophétie. En fait, la Bible nous a donné le discernement. Permettez-moi de lire Ésaïe au chapitre 8. Allez-y. Ésaïe dans le livre d'Ésaïe chapitre 8. Pour que les sœurs, si je sais que les sœurs aiment trop le don spirituel, ils aiment le Seigneur, mais si nous aimons le Seigneur pas à la façon du Seigneur, ça va nous créer des problèmes. C'est ce que là, je crois que le serviteur de Dieu là, n'a pas discerné que cet esprit-là, si cette femme-là a pouvoir avoir le don de spirituel, mais à un moment donné, c'est un autre esprit qui se manifeste. Regardons. Dans Ésaïe au chapitre 8, le verset 19, la Bible déclare, si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Regardez bien. Qui pousse des sifflements et des soupirs? Répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il au moins en faveur des vivants? Je vais dire, les signes spirituels, les dons du Saint-Esprit sont tellement purs, tellement sains que ça n'a pas besoin de manifestations charnelles externes. J'ai assisté pour. Voilà pourquoi le cas de cette sœur, je me rappelle un cas particulier où un pasteur, dans un service de délivrance, utilisait une autre sœur extérieure comme canal pour détecter des démons. J'ai dit ça, c'était terrible. Parce que cette autre sœur étant sous rapport de trans, remarquez très bien que les gens, si cette sœur, si peut rappeler, elle va confirmer ceci. Cette autre personne qui parle et que le serviteur vient le taper pour dire l'esprit du prophète soumis au prophète, vous allez voir très bien que la personne n'est pas même pas assez maîtrisée. Remarquez très bien. Cette personne qui est sous cette influence, c'est quasi impossible. Ça veut dire que c'est une autre présence qui vient appréhender son corps. Dans cet état de trans, c'est dans l'état de trans donc que se manifeste l'esprit de divination. Oui. La personne qui a le don de prophétie est aussi calme. On n'a pas besoin de gesticulations externes pour prophétiser. Vous parlez de la part de Dieu avec humilité, avec simplicité, avec maîtrise de soi. Dieu ne vient pas mettre hors d'état de nuit notre volonté, notre appréhension. Remarquez, si vous lisez bien 1 Corinthiens chapitre 14, l'apôtre Paul, lorsqu'il parle des dons, il dit clairement, j'aime mieux parler 1000 paroles dans l'église avec intelligence que 10 000 paroles en langue. Parce que quoi? Il dit, quand tu pries en langue, ton esprit est en prière, mais les autres n'en sont pas édifiés. Pour dire quoi? Quand vous avez le don spirituel ne vient pas créer les désordres. Voilà pourquoi certaines personnes se sont laissées emporter dans ce don de prophétie jusqu'à ce que Satan les a séduits et les a entraînés dans le ministère des divinations. Le ministère des divinations. Donc, quand une personne commence à prophétiser, perd le contrôle, cette personne n'est plus sous la puissance du Saint-Esprit. Voilà là où je vais arriver. Donc, si vous voyez dans votre assemblée, une personne qui, à un moment donné, commence à tapoter son corps, tombe à la renverse, entre sur le banc et commence à écumer. Avant de dire ainsi par l'Éternel, ça ne vient pas de Dieu. Il lui faut la délivrance. Il lui faut, je le dis avec énergie, il lui faut la délivrance. La Bible est claire, quand l'Esprit qui vient, l'Esprit qui nous a donné, l'Esprit c'est l'Esprit de force, l'Esprit de sagesse, mais l'Esprit de maîtrise. Nous devons nous maîtriser. Et nous allons sortir le message de Dieu au moment opportun. Voilà pourquoi la Bible déclare que lors de notre réunion de 1 Corinthiens chapitre 14, si les choses se passent normalement comme le Saint-Esprit l'a régularisé, quand quelqu'un va avoir un message à donner, il va donner. Quand quelqu'un, au moment donné, quelqu'un qui va prophétiser va se lever prophétiser et la réunion va se passer avec harmonie et on va voir très bien qu'il y a une connexion du Saint-Esprit. C'est pas possible dans une assemblée, on finit de prêcher par le Saint-Esprit, une autre personne se met à prophétiser et les cœurs, au lieu d'être ramenés au Seigneur, les cœurs sont attristés, les murmures commencent. Est-ce qu'on est sûr que ceci se passe? Et commence à dire non, c'est pas comme ça. La prophétie est donnée pour instruire, pour édifier et pour exhorter, pour que les gens reviennent à Dieu. Voilà. Donc, pourquoi c'est donné. Si je vous comprends bien, le ministère est permanent, le ministère prophétique est permanent. C'est un ministère de direction, des directions. Comme la fonction d'apôtre. Absolument. De pasteur, d'évangéliste, d'enseignant. Voilà. Et le don de prophétie, vous dites qu'il est ponctuel. Il ne devrait pas venir contredire. Absolument pas. Remarquons bien que, en fait, si on veut regarder par rapport au Nouveau Testament, les dons de prophétie sont. Ceux qui ont le don de prophétie sont plus nombreux que les prophètes. Oui. Si nous prenons le cas dans Luc 1, Actes des Apôtres, chapitre 21, le verset 8, dans l'église où qui se trouvait dans la maison de Philippe, de l'apôtre Philippe, il y en avait 4 qui prophétisaient. Mais un prophète qui sortait de Judas est venu où? À Césarée, voilà. Dans cette église, et il a commencé à prophétiser pour donner la direction. Un auditeur au bout du fil. Allô, bon après-midi. Baissez complètement le volume de votre poste récepteur. Complètement, pour que la communication soit agréable. Baissez complètement.
Je vous appelle comment, s'il vous plaît? Allô, je voudrais savoir si... Je vous appelle comment, s'il vous plaît? Oui, je vous appelle comment? Je voudrais savoir si les femmes peuvent prophétiser. Voilà, merci. Cette question qui tombe à point nommé, les femmes peuvent-elles prophétiser? J'ai renchéri avec la question d'un auditeur, puisque vous nous dites que tout chrétien a un don selon la volonté du Saint-Esprit évangéliste. Un auditeur voudrait savoir, tout comme cette auditrice qui venait d'appeler, si une prophétie donnée par la femme doit être prise en considération. Absolument. Donc, c'est pour cela qu'il faut savoir faire la part des choses dans l'Église du Seigneur. Oui. Et avant de répondre à ces questions, j'aimerais bien que les gens m'écoutent attentivement. La femme a-t-elle le ministère prophétique ou absolument. Voilà une bonne question. C'est là où je voulais en venir. Allez-y. Je crois que cet esprit qui vous a poussé ainsi. Allez-y. Pour ce qui est des prophéties, j'aimerais bien que les gens comprennent que le don de prophétie est réservé à toute personne dans le corps de Christ, femme ou homme. Mais le Nouveau Testament, je crois, la dernière fois, j'ai dit cela, il y a un auditeur qui a envoyé Luc au chapitre 2 oui. pour voir ses transits parlant de Anne. Oui. Je recommence encore, je le dis haut et fort. Il n'y a pas de prophétesse dans le Nouveau Testament, je le dis à haute voix. J'attends les appels des frères et sœurs. Le ministère des prophètes est réservé, je dis pour le cas du Nouveau Testament. En fait, si quelqu'un veut aller à l'Ancien Testament, qui peut aller? S'il peut aller construire des temples, aller donner le sacrifice d'oiseaux, il n'y a pas de problème. Mais je parle du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament donne les dons directionnels, les ministères directionnels pour l'Église. Ces ministères sont cinq. Et par la suite, ces cinq ministères sont inclus dans le ministère des anciens. Il veut dire, dans Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11, la Bible déclare, et il a donné les dons aux hommes. Il a donné les uns comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes, comme pasteurs et comme docteurs. Il dit, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps. Donc, ces cinq ministères est un ministère, et ce sont des ministères directionnels. Est-ce qu'ils sont communs? En fait, exercés par les hommes et par les femmes, absolument pas. C'est là où je vais aller. Si quelqu'un m'écoute maintenant, en fait, les serviteurs qui m'écoutent maintenant savent que c'est vrai. Même, voilà pourquoi je vous ai dit qu'il y a des vrais serviteurs qui sont compromis. Remarquons ce qu'il y a aujourd'hui. C'est que si quelqu'un est apôtre, sa femme est prophétesse. Si ce n'est pas prophétesse, c'est une révérende. En fait, le titre révérend veut dire même qu'on la vénère sans s'en rendre compte. Quand tu entends quelqu'un, on dit révérend pasteur tel, on adore ce pasteur. Il va beau dire n'importe comment, il prend l'adoration qui est due au Seigneur. Donc, ce qu'il veut dire, c'est que si quelqu'un est pasteur aujourd'hui, sa femme est pasteur, il lui faut la délivrance. Il dit la délivrance. Il faut qu'il mette les genoux par terre. Il part, on les impose la main, comme on impose la main pour mettre l'huile, pour les enlever cela. Donc, dans la Bible, on ne voit pas une femme. En fait, on va voir l'origine de cela. La femme peut prophétiser, comme on voit dans Actes des Apôtres, chapitre 21. Permettez-moi de lire cela. Actes des Apôtres, chapitre 21. Le verset 7, à partir du verset 7 dit, achevant notre navigation, nous allâmes à Détis, à Ptolémaïs, où nous saluâmes les frères et passâmes un jour avec eux. Verset 8, nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entré dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des sept, nous logeâmes chez lui. Verset 9 maintenant. Il avait quatre filles vierges qui prophétisaient. J'aimerais vous comprendre combien de ceux qui sont en Christ aujourd'hui qui sont vierges et qui prophétisent. Remarquez bien, verset 9 dit quoi? Il avait quatre filles vierges qui prophétisaient. Maintenant, directement le verset 9 pour montrer que, voilà une église qui était chez l'apôtre Philippe. C'est l'apôtre Philippe. Il avait quatre filles vierges qui prophétisaient. Mais voici ce qui se passe. Verset 9 dit, comme nous étions là depuis plusieurs jours, malgré que les filles prophétisaient, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et il vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et il dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Donc nous voyons très bien que l'apôtre Paul étant dans cette assemblée à ce moment-là, il y avait les filles qui étaient là qui prophétisaient. En fait, on ne doit pas rejeter les prophéties. Mais lorsqu'il s'agit de la direction, remarquons très bien, Dieu dépêche un prophète pour venir à Césarée, pour prophétiser. Et nous allons voir ces prophètes-là dans le chapitre 11 également, à l'église d'Antioche, où il va aller prophétiser en disant qu'il y a une famine qui viendrait sur la terre. Donc, c'est comme ça que Dieu fait. Dieu est sa façon d'agir est immuable, sa parole est immuable. Nous voyons que les filles prophétisent, les femmes prophétisent, mais dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de ministère de prophète. Donc, il n'y a pas une femme prophétesse. Voilà, dans le ministère de direction, n'est pas réservé à la femme. Mais le don. Tous les dons spirituels. Oui, absolument. Le don est mixte. Le don spirituel est mixte. Voilà en ce sens que la Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 12, car l'un est donné par le même esprit, tel don. Les femmes ont accès à cela, mais les ministères de direction sont réservés aux hommes. J'ai renchéri en disant que aujourd'hui nous voyons les femmes apôtres. Je ne sais pas s'il y a même le phénomène féminin d'apôtres. Je ne sais pas s'il y a féminin des pasteurs. Frères, il faut vraiment qu'on revienne à l'ordre. En fait, remarquons très bien maintenant, aujourd'hui on va jusqu'à avoir les anciens. Toute cette dérive-là, il va falloir qu'on dénonce. Il n'y a pas de femmes anciennes. En fait, le collège d'anciens, c'est un ministère que le Saint-Esprit a établi, c'est uniquement masculin. Quand nous lisons les livres, les épîtres de Paul, les épîtres
épîtres qu'on, les théologiens appellent les épîtres pastorales. Je ne peux pas comprendre qu'on dise épîtres pastorales. On lit 1 Timothée, 2 Timothée, Tite. On ne voit pas la présence des femmes anciennes là-bas. Et les gens commencent à adopter. Et ils croient servir le Dieu vivant, le Dieu de la Bible. Il faut que ça change. Il faut que les gens reviennent à l'ordre. Si quelqu'un m'écoute ce soir, elle se dit apôtresse. Il faut qu'elle descende. Et quand elle se met à genoux, elle repent, demande pardon à Dieu. Qu'elle dise la vérité aux gens. Et puis elle se repent. Elle vient dans la vérité de la parole de Dieu. J'en viendrai hein, dans quelques instants. Merci à ceux qui viennent de prendre le train en cours. À notre grand ami André Mirabeau-Mahop, voilà, qui est du côté de l'Obaba. Et merci également à tous ceux qui nous écoutent de ce côté. Salut à vous qui êtes au studio. Le thème de ce soir est très pertinent. Voilà, merci pour le biscuit. Quel conseil donnez-vous pour ceux qui courent toujours derrière les prophètes? C'est Monique Évangéliste. Ok, voilà encore une autre bonne question. Remarquez bien que si y a les auditeurs qui m'écoutent maintenant commencent à prendre part à la parole de Dieu, oui, commencent à méditer la parole de Dieu et commencent à regarder les différentes caractéristiques de ces faux prophètes, ils auront des entreprises à fermer. Les dénominations fermeront les entreprises. Les publicités n'auront pas de membres pour venir écouter. En fait, ce qu'on va faire, c'est que les auditeurs qui m'écoutent maintenant, les auditeurs eux-mêmes sont des... Il y a des gens qui ont quitté le monde avec l'esprit maraboutiste, c'est-à-dire que les gens qui ont eu l'habitude de visiter le marabout, quand ils viennent voir quelqu'un, les gens ont fait même de leurs pasteurs, même des prophètes. Alors que les pasteurs sont des pasteurs, il y a des prophètes. Ils disent, pasteur, qu'est-ce que tu as pour moi? Il n'y a pas de parole. On pousse le pasteur à aller en Inde acheter la magie, à aller se compromettre, à avoir des bagues pour pouvoir prophétiser. Voilà comment on pousse les gens à la dérive. Donc même les chrétiens eux-mêmes doivent rester en connexion avec l'Esprit de Dieu pour avoir une relation personnelle et permanente avec le Seigneur. 33 07 56 32 33 07 56 32 237 si vous nous appelez de l'étranger. 94 11 94 27 94 11 94 27. Bonsoir, j'ai tout caractéristique, je suis né de nouveau, ça fait un an je suis voilà, c'est Christelle, merci. Tout autre chose à présent. Salut frère, faut-il payer les prémices, les dîmes, la moisson? C'est Dora qui pose cette question. Tout autre chose également, une autre question. Bonsoir à vous en studio. Je suis né de nouveau dans une famille catholique et j'allais à l'église tous les dimanches, mais depuis que je suis la Radio Bonne Nouvelle, j'écoute Radio Bonne Nouvelle, je n'y vais plus et j'ai confessé Jésus-Christ, mais je ne sais pas dans quelle église aller, surtout qu'il y en a assez dehors, s'il vous plaît. Aidez-moi, c'est Victorine de New Deido. Oui, on va commencer par Victorine. En fait, il faut qu'on corrige maintenant pour que les auditeurs de Radio Bonne Nouvelle en prennent connaissance. C'est qu'on ne va pas à l'église. Il n'y a pas de possibilité d'aller à l'église. L'église, d'après la Bible, c'est l'ensemble des personnes qui ont accepté Jésus-Christ et qui ont été baptisées de son esprit. Ce sont ceux qu'on appelle église. Alors, si cette sœur, c'est quoi Victorine? Si Victorine qui allait à l'église et qui, en écoutant la Radio Bonne Nouvelle, commence à voir la vérité, il faut qu'elle prie le Seigneur qui l'a sauvée. De la diriger vers les frères qui sont dans son quartier, la zone où elle se trouve. Dieu va la connecter avec des gens qui lui servent le Seigneur d'un cœur pur. Voilà. En plus de cela, je vais lui dire qu'elle demeure dans la parole de Dieu jour et nuit, qu'elle prie le Seigneur de la connecter avec ses enfants. Voilà, merci également. Je crois qu'il y a la question de Dora qui parlait des dîmes, des prémices. Oui, faut-il payer les prémices, les dîmes et la moisson? Voilà encore, voilà sur les enseignements sur lesquels les faux prophètes et les serviteurs qui sont cupides se mettent à le faire. En fait, les dîmes, si la sœur et toute autre personne qui est en train de me suivre maintenant, il faut qu'on comprenne que la dîme est scripturaire, mais ce n'est pas pour le chrétien. C'est-à-dire que la dîme, l'enseignement de la dîme est scripturaire. C'était pour une dispensation. Et pour cela, si vous me permettez de lire rapidement un verset là, dans le Nouveau Testament, en fait, allez-y. Ok, dans le livre des Hébreux chapitre 7, si nous lisons à partir du verset, je vais lire rapidement puisqu'on a plus assez de temps. La Bible déclare à partir du verset 3, on dit que Melchisedec qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour ni fin de vie, mais à qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Maintenant, verset 4, la Bible dit, considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce, écoutez bien, ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple. Remarquons bien ce que la Bible dit, la Bible parle de Lévi. C'est-à-dire sur les frères qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Et lui, qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham. Il bénit celui qui avait les promesses. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Verset 8. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il est fait attester qu'il est vivant. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé pour ainsi dire par Abraham. Verset 1, 10. Car il était encore dans le règne de son père lorsque Melchisedec allait au devant de lui. Verset 11 maintenant. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique.
On dit, si la perfection sur cette sacerdoce qu'on paye la dîme avait été possible, la Bible déclare qu'était-il encore besoin que parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek? Non, selon l'ordre d'Aaron. Car le 16, verset 12, maintenant, écoutez bien, il y a un enseignement là-dessus dont les étudiants peuvent contacter la radio Bonne Nouvelle. Alors, le verset 12 dit, car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi, il y a un changement des lois. Donc, dîme avait été donnée sous le sacerdoce lévitique. La Bible nous enseigne que les chrétiens sont sous le sacerdoce de Melchizedek où tous sont sacrificateurs. Et sur ce sacerdoce, donc, Dieu avait donné, en fait, il y en a quatre types de dîmes et un cinquième que le roi devait prendre. On n'a pas le temps pour détailler tout cela. Donc, les chrétiens ont tout leur bien entre les mains du Seigneur. Donc, ce n'est pas la dîme que Dieu demande. Le Seigneur ne demande pas la dîme aux chrétiens. Donc, il ne demande pas la dîme, mais la totalité, c'est ce que vous avez. La totalité. Donc, bonsoir aux hommes de Dieu sur le plateau. Je crois pour ma part qu'il faut pousser la clarification en montrant comment Dieu paye ou nourrit ses serviteurs. Si c'est aux prophètes de toujours donner au peuple, où doivent-ils prendre pour donner? Que pensez-vous des tentes pour les serviteurs de Dieu? C'est pasteur Tchasso. Donc, il a dit qu'il pensait de quoi, frère? Voilà. Des tentes. Oui. Alors maintenant, je crois que si le temps nous permet, on va parler des offrandes et des dîmes là sur cette plateau. Alors c'est pour ça que je vais inviter ce pasteur à bien regarder la Bible. Pour le cas des offrandes, par exemple, dans le Nouveau Testament, puisque nous parlons du Nouveau Testament, le Nouveau Testament nous donne deux styles d'offrandes. L'offrande pour les saints, pour les besoins des saints, et l'offrande pour les pasteurs qui sont consacrés au travail, qui sont itinéraires, qui viendraient dans l'assemblée. Donc voilà pourquoi dans le livre de 1 Timothée, chapitre 5, verset 17 et 22, et puis dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 16, les versets 16 jusqu'à 19. Il est pour ce qui concerne l'offrande en faveur des saints. Oui, voilà, oui. Voilà, très rapidement, on vous pose une autre question. Les pasteurs, les femmes peuvent-elles être pasteurs? Là, vous avez répondu par la négative, mais j'aimerais savoir, évangéliste, puisque vous avez répondu par la négative que non, scripturairement, les femmes ne sont pas appelées au ministère de direction, elles peuvent exercer un don. Comment sont-elles arrivées donc au pupitre? Comment ont-elles fait pour arriver au pupitre? En fait, le pupitre même, d'abord, donnons l'origine du pupitre. Ouais, allez-y. Dans le Nouveau Testament, on ne voit pas de pupitre nulle part où on construit un endroit où quelqu'un va monter en chair, commencer à prêcher comme on voit. Le pupitre appartient au milieu chrétien en 250. Après le Seigneur Jésus-Christ. Mais pour ce qui est de cette femme qui appartient, qui arrive au pupitre, les lointaines racines remontent en 1791 avec la naissance des revendications égalitaristes d'Olympe de Gouges, née avec la Révolution française, et par la suite celle de Flora Tristan et de Georges Sauld. Maintenant, en 1792, le fameux livre de l'écrivain britannique Mary Wollstonecraft, qui défend les droits de la femme, paraît en réponse à un écrivain irlandais qui critiquait la Révolution française. Maintenant, puis en 1848, la Convention des droits de la femme a eu lieu dans l'État de New York. Mm-hmm. Ça, c'est le monde. Oui. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à chaque étape où il y a eu des révolutions dans le monde, l'Église en avait été influencée. Ainsi, durant cette période de la naissance du mouvement féministe, une femme méthodiste nommée Phoebe Palmer, en 1837, expérimente ce que les méthodistes aimaient appeler l'entière sanctification. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va commencer à diriger les réunions de mardi. Les réunions de mardi pour la promotion de la sainteté. Alors, c'est ce que cette réunion avait été créée par sa sœur un an plus tôt. Cette réunion était adressée essentiellement, c'est là où ça a commencé, essentiellement au mouvement féminin. Alors, à cause du succès donc, de cette réunion, les hommes ont commencé à participer à la réunion chaque soir. Et à partir de ce niveau, les femmes avaient mordu la maison tendue par Satan. C'est ainsi qu'en 1959, Palmer sort un livre. Le titre de ce livre était The Promise of the Father, c'est-à-dire que la promesse du Père, dans lequel elle plaidait pour le ministère de la parole par la femme. Et regardez bien la source depuis 1700. Maintenant, de là va venir Catherine Booth. Catherine Booth, celle qui, avec William Booth, ont créé la dénomination, oui, l'armée du salut, en 1865. On voit donc que le mouvement féministe commençait dans le monde à saisir l'Église. Ainsi, Antoinette Louisa Brown a été la première femme américaine à être ordonnée ministre de culte. C'était le 15 septembre 1853. Mais le principe de l'ordination des femmes pasteurs a été accepté en 1945. Et la première femme à devenir pasteur fut Elizabeth Smith en 1975. Alors maintenant, frère, si nous regardons toutes ces choses de façon historique, nous voyons l'intégration du pupitre qui était fait par les Romains et que les Grecs avaient adopté.
Parce que c'est là où ils faisaient leur discours de l'art et rhétorique et sophiste. Maintenant, nous voyons que c'est dans les années 1800-1700, avec la Révolution française, qu'a introduit le mouvement féministe dans le monde et que l'Église en a adopté. 1800 après l'écriture de la Bible n'a pas changé. Dans 1 Corinthiens 14, on dit que comme dans toutes les assemblées des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur a pas permis d'y parler. Maintenant, dans 1 Timothée chapitre 2, il dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner de prendre autorité sur les hommes » pour montrer que le ministère de direction et d'autorité n'est pas réservé à la femme, mais aux hommes. Alors, cette Bible étant déjà écrite et étant définitive, la Bible a dit « On ne doit rien ajouter, on ne doit rien retrancher ». Comment se fait-il que les gens qui peuvent savoir de l'histoire que ça a commencé précédemment, c'est-à-dire que c'est quelques 200 ans après nous, là, avant nous, là, que ces choses ont commencé. Comment se fait-il qu'on rejette totalement la parole de Dieu qui est totalement définitive et qui est la matière à réguler toute chose venant du ciel, c'est-à-dire que toute contestation divine. La parole de Dieu doit régler toutes choses. Mais en voyant des choses qui étaient post-bibliques, comment on va, quand on accepte facilement la chose, je ne comprends pas, ça me dépasse. Voilà, nous allons certainement revenir sur certaines préoccupations demain, surtout sur cette question. Oui. Voilà, beaucoup de SMS, vous permettez que nous puissions les rendre. Oui. Nous voulons saluer la présence du docteur Valentin Tolok Mondoleba, qui est de passage dans la ville de Douala. Voilà, comment distinguer le bon prophète des charlatans qui ont la bouche pleine de belles paroles? Jésus a dit qu'au dernier moment, beaucoup viendront en son nom. Absolument. Je crois qu'il vient de prendre en cours. Dans 1 Timothée chapitre 4, ce qu'il dit là, 1 Timothée, il dit beaucoup, on se donnera des foules de docteurs selon nos propres désirs. Donc, les docteurs et les prophètes de cette époque vont enseigner ce que les gens veulent entendre. Mariage, voyage, succès, maison, ainsi de suite. Bien-aimé, prière d'envoyer les passages bibliques pour la question de Victorine. Merci. Ok, le passage biblique de Victorine. Victorine, c'est celle qui a dit qu'elle était catholique et qu'elle allait à l'église. Alors, le passage biblique, je lui ai dit tout simplement qu'il faut qu'elle reste en communion avec le Seigneur et qu'elle cherche à communier avec les gens. Une autre préoccupation. Oui. Toutes nos excuses, chers auditeurs, nous y reviendrons demain, ce vendredi, sur cette prière. Bonsoir, la femme peut-elle enseigner dans une école biblique? C'est John qui pose cette question. L'école biblique. Tout autre chose, on reconnaît un prophète par un message prophétique, c'est Gilles Amazou. Voilà, pratiquement arrivé au terme de cette partie, évangéliste. Que peut-on donc retenir cette question sur l'origine des femmes sur le pupitre? On va revenir sur certaines préoccupations également des auditeurs. Oui, par la suite, on va voir que ces revendications de la femme est caractéristique de l'église de notre époque, qui est l'église de Laodicée, dont le nom signifie particulièrement les revendications. Ça veut dire que les dispensations de l'église, la septième qui est notre époque, l'église de Laodicée, la Bible nous révèle donc que ça sera je crois que cette époque sera caractérisée par des revendications. Et qui dit revendication, qui dit clairement le mouvement féministe, y compris le mouvement l'esprit de Jézabel. Donc, il va falloir qu'on regarde dans cette direction-là particulièrement pour voir que la prophétie qui est dite par rapport aux faux prophètes, il y a également les faux prophétesses, celles qui se déclarent prophétesses. Que retenir donc, que dire donc, les mouvements ou soit toute autre organisation, association, doivent-ils être au-dessus de la parole de Dieu? Absolument pas. Prévalent-ils sur la terre? Quelques pays, que ce soit les constitutions des États-Unis, les constitutions des universelles des droits de l'homme, la Bible au-dessus de tout cela. La Bible, c'est la constitution céleste sur la terre. C'est la constitution céleste sur la terre. Merci à ceux qui nous ont écoutés ce jour. Ce sujet va certainement connaître son épilogue ce vendredi. Le chrétien face à la prophétie et aux pratiques divinatoires. Merci de votre intérêt. Vous avez été nombreux à participer à ce sujet. Marie-Françoise Dora, Christelle Jules, Johnny sont nombreux. Kaka Enerstine à Lokpesou, le colonel, bien entendu, notre grand ami Émile Nguedjop et son épouse Déline, qui sont du côté de Dorbon, Michel Zouangour, Madame Nia, et Tondé Nicole qui est du côté de Lopom, bien entendu, Aline Assoumo, Maman Véronique de Makepe, voilà. Merci à ceux qui nous ont écoutés du côté de Kumba, Motengene Tiko. Merci également à Madame Grace Tiabda, Joseph Dikoubambessien également pour leurs encouragements, tout comme Adèle. Nous le réitérons encore. Merci au docteur Valentin Mondoleba qui est dans la ville de Douala. Merci d'avoir été encore des nôtres ce jour. Ce sujet va connaître son épilogue. Merci à Eric Ndongo et Nis Pelagi et Bolé pour leur soutien moral. Ce sujet va connaître son épilogue certainement demain. Beaucoup de questions. Nous y reviendrons. Voilà. L'antenne sera ouverte très tôt. Bien entendu, pour votre intérêt.
intérêt 17h20, lorsqu'il sera 17h20, vous aurez l'opportunité de pouvoir donc poser vos questions. Voilà. Merci d'avoir été encore des nôtres. Patrick Rolbifer est mon nom. Je suis ce que je suis. N'oubliez pas l'essentiel. Prenez toujours la vie du bon côté avec Jésus-Christ de Nazareth. From me.